quelques instants. Installez-vous. Partage pour Henri. On arrive dans quelques minutes pour du Tales of Vesperia. De l'eau profondément pour boire de l'eau aussi. Mais ça peut être parfait. Wet. Ah, tout a planté. Ok, on va bientôt commencer. Hein. Alors, je vois rien. Pas que je vois rien, mais c'est que j'ai mes yeux démontés. Alors les casques c'est bien, mais les lunettes, ça casse un peu le délire du casque. Attendez pas, pourquoi ça s'arrête pas là? Au secours.
Ah oui, d'accord, j'ai droit à des sous-titres. Je veux pas de sous-titres. Merci. Au revoir. Alors, Tales of Zestiria. Pour ceux qui connaissent, hein, de la... Alors, j'avais un petit écho. Normalement, c'est bon. C'est réglé. Aucune idée pourquoi, mais mon audio du bureau était décalé par rapport à mon Elgato, donc j'avais un retour dégueulasse. Alors, on va voir si DIS et Horde, on va voir si notre pote le bro Kuro est-il en Discord. On va lui envoyer un message. Ok, il vient pas sur le Discord, ok. Pas de soucis. Je lui réponds juste, on va, voilà. Ok, alors, let's go. Alors, il est 20h, hein. Pardon. C'est le décès. Donc il est 20h. Je vais y arriver. Voilà, il est 20h, Paris s'éveille. Ah non, ça n'a rien à voir. Ok, je vais couper le Discord. Alors, bon, hop, voilà. Je vais juste le mettre en mute. Alors, Tales of Zestiria, Bandai Namco, etc. Vous connaissez la licence. Tout est bien, qui finit bien. J'étais paumé. Alors, la semaine passée, on a fait une connerie. Hein. On s'est un peu mélangé les pinceaux. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port. Normalement, Tales of Zestiria, c'était le mardi. La semaine passée, j'ai fait Final Fantasy XV. C'était pas prévu comme ça, en fait, c'est parce qu'on s'est un peu gouré dans le truc. Voilà. Mais c'est pas grave. Alors, attendez. Point de sauvegarde. C'est bien. Je dois aller où? J'en ai aucune idée. Ça commence. Génial. Meilleur stream. Hein. Rifalk. La crête des esprits. Ouais, je dois sûrement aller par là. Parce que le pont, pour l'instant, il est pété. Donc, je dois attendre. Je dois le refaire, le pont. Par contre, le ratata, là. Hop! Hop, hop! Un petit zizou. Faut aussi que je pexe un peu. Mais non, mais j'avais été là! Est-ce qu'on fait le rocarnage? Le gars qui a pas compris que c'était pas Pokémon. Mais stop, mec, c'est pas Pokémon. Je vais aller voir ce qui se passe là. Ce qui se passe là. Ce qui se passe là. Ah oui, mais non, il y avait rien là! Par contre, j'ai un nouveau casque, ça fait trop bizarre. Je m'entends pas en fait. Allô? Oui, ma voix existe encore. Génial. Nous patrouillons actuellement. Mange les morts. Et on ne peut pas aller. Très bien. Ok, on avait déjà fait ça. On pouvait pas. Ce sont les coteaux de Falkewyn. Désolé. Oula, j'ai un peu pris de ma gorge tout à coup. Non, j'avais rien il y a 2 minutes. Alors, il fait un peu trop chaud. Il fait 400 degrés. Obtenez de l'eau sacrée aux chutes, montre le juste. Mais putain, mais pourquoi ça s'est pas mis? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais pourquoi ça s'est pas mis? Au secours! Pourquoi ma scène a déconné? Ok, ma scène est restée coincée sur le truc. Oh merci, Buds! Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Bordel de cul. J'en ai aucune fichue idée. Pourquoi ça fait ça? Putain, ouais, les poulpes dégueulasses. Voilà, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Ça. Aucune idée. Alors. Là, il y a un truc sur la carte en forme de pénis. On s'en fout. Là, ça nous sert à rien. Le torrent, on n'a pas de magie magicale pour pouvoir justement faire ce putain de pont. Alors, on va retourner au haut de Havrelac. Putain, je pensais que c'était un coffre. Ah, ben, le ratata. Attendez, donc, faut que je me rappelle de tout. Aïe, oui. Ok. Ouais, mais calme-toi, le ratata. Ok. Mais je prends des chachères. Attends, faut que je me rappelle. Quelle est la touche de... Ok, voilà. On va faire ça, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Sinon, ça va être trop compliqué, déjà. Mais ils sont quel niveau, en fait? Ah, j'en vois même pas les niveaux. Normalement, je pense qu'on peut les voir. Ah, voilà. Niveau 10, mais moi je suis quel niveau? Moi je suis nul. Je suis nulle part en fait. Je suis sûr que je suis bien moins haut qu'eux. Il faut que je revérifie. Oui, vous recevez des points après chaque combat, vous en obtenez. Ouais, mais ça c'est important par contre. Mais ce sera surtout pour du New Game Plus. Attendez. Du coup, est-ce que je peux voir
Mais niveau... Ah ouais, niveau 9. Ah ouais, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud du slip. Ok, il y a un point de sauvegarde, ça on s'en fout. On avait dit... On avait dit... Pause, pas trop de questions. On va retourner en arrière. Donc on a deux objectifs. Chercher le Père Brunor. Ah ouais, le Père Brunor. Juste la mer du Nord. J'avais oublié que c'était la mer du Nord. Il fallait aller voir. Alors. Pas beaucoup de monde. Hein. Voilà, les gens revenaient. Hein. C'est... Par contre, il va plus vite que moi, lui. Ok. Les autres, non, mais lui, oui. Ok. La raison de ce mystère. Aucune idée. Je sais pas pourquoi il va plus vite que moi. Je sais pas pourquoi il allait plus vite que moi. Par contre, ouais, mais non. Hop, voilà. On va se transformer, parce que sinon, ça va pas le faire. Ok. Oui, oui, fin. C'est bien. Au revoir. Ah non, ah non, ah, ratata, vas-y. Je devrais le faire, mais non. J'ai pas envie de faire un ratata. C'est bon. On s'en fout du ratata. Bon, comme il n'y a pas beaucoup de monde, ça sert à rien que on se casse la tête à montrer notre sale gueule. Hop. Voilà, on va passer en full screen. Et du coup, sacré aux chutes. La forêt de Seymour. Et putain, je sais pas du tout où je dois aller alors. Le Père Brunor. Mais le Père Brunor, il doit être dans... être dans Havrelac, hein. C'est pas possible autrement. Ah, je me suis fait choper par un loup-garou. Ok, ça va. Là, ça va. Je pas vraiment besoin de transformation. Transformational, no. Il va absolument rien dire. Par contre, il fait 400 degrés. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai retiré la cam. Parce que si jamais j'ai envie de sortir mon zizi, parce que j'ai trop chaud, ben voilà. Au moins, ça gênera pas. J'aurai pas de problème. Alors j'espère que vous avez le son de façon correcte, correctement correcte. Attendez, on va les chutes du Niagara. Voilà la forêt là-bas quand même. Ah, la carte devient déjà tellement grande. Ah, mais ça on s'en fout. Mais ça ne, ça zoome pas ça, Zumba, Zumba, Zumba. Voilà, oh putain. Ok. Ça, c'est une petite... Ah oui, mais non, il n'y a pas de zoom. C'est juste... ok, ouais, d'accord. Regarde. Arrête avec des zooms. Arrête avec les zooms. Et si on retourne là, est-ce qu'il y a là-bas de quoi avancer dans l'histoire? Avancer dans l'histoire. Ninaninani. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est prévu dans le jeu ou j'ai cassé tout? J'ai tout cassé? Non, j'ai pas tout cassé, ça va, ok. Pas de stress, j'ai eu peur. La 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 la. Oh, mais est-ce qu'il y a vraiment un point, enfin une étoile ou autre? Il n'y a pas l'air, hein. Il n'y a vraiment pas l'air. Ok. Attendez, on va voir ce qu'on peut. Bah, c'est pas là. À mon avis, c'est pas là. Ce n'est pas là. Alors. Attendez, hein. Des monstres dans l'aqueduc souterrain. Mais là, on avait déjà été. Lui, on va lui parler. Dame 5. Lui, il s'appelle Dame 5. Lui, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Attendez, lui... Non, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas intéressant. L'église n'a pas de mots. Peut-être que toute cette histoire de berger a été inventée de toutes pièces. Oui, c'est de la propagande. C'est de la propagande du média. Propagande du média. Propagande de l'État. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Le sanctuaire, elle est aussi époustouflante qu'on le dit. Ah oui, c'est celle, c'est Madame Boobs, quoi. C'est Miss Boobs. Ok. Hey! Bien sûr, buongiorno, Carl. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien chez toi. Aujourd'hui, du Tales of Zestiria. De façon à ne pas dépasser, à être au calme. Alors j'ai retiré la cam parce que comme ça, si je me mets à moitié tout nu, ça gênera pas parce que j'ai un peu chaud. Et du coup, je rentre là-dedans, mais je crois que ça ne sert à rien. Cela ne me sert à rien du tout. Parce que, mais moi, je pensais que c'était lui, hein. Je pensais que c'était lui, hein. Le Père Brunor, je pensais que c'était lui. Et voilà. Et les ruines de Galahad. Où sont les ruines de Galahad? Ça, c'est la bonne question. Ça, c'est la bonne question. Alors... Les ruines de Galahad.
Attendez, parce que il y a un truc que je comprends pas. Deux secondes. Un petit problème. Ah ben oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Toi, c'est au Québec, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Ah là là, si un jour j'avais l'occasion d'y aller, ce serait tellement bien. Mais on aurait vraiment quelqu'un d'honnête. J'aimerais pouvoir en dire autant des autres prêtres. Ouais, mais d'accord, il est honnête, mais il est où? Il est où? Ils ont un mal de chien à réparer ce pont. T'as bien de la chance. J'espère qu'il fait bon vivre là-bas. Réellement. Parce que si un jour je dois y aller, j'espère que c'est un endroit intéressant. Et que lorsqu'on travaille, on a l'argent correspondant au travail. Pas d'air climatisé, l'été, gamer, quand il fait chaud, c'est chiant, en plus les consoles en arrachent. Ah ouais, mais j'ai la même chose, j'ai pas d'airco, là je meurs un petit peu. Hein. C'est pour ça que j'ai retiré la cam, hein, comme je dis, hein, si jamais je dois sortir mon zizi à tout moment. Pas de soucis. Attendez, bon, soyons sérieux deux minutes. Qu'est-ce que c'est? Putain, je suis sûr que c'est ça. Ça doit être ça. L'endroit où je dois aller, je suis presque sûr que c'est ça. Ok, donc, en gros, vers le nord. Ok. Ouais, meute que vous... Ah ouais, mais ça, ouais. Mais la vie est un peu différente quand même, hein, d'après ce que j'ai vu. Je pense que la vie au Québec, je vais pas dire plus simple parce que c'est plus cher, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on gagne notre vie de la façon, on va dire, dont on travaille réellement. Bon, tandis que les pays d'Europe centrale, c'est pas la même chose. Hein. Vous avez beau travailler, tout ce que vous obtiendrez, c'est des taxes. Des taxes et des taxes et des taxes et des taxes. Ah, mais il y a un monolithe, mais je l'ai déjà fait celui-là ou pas? Ouais, j'avais déjà fait en plus. Bah oui. Mais oui, c'est clair. Ah, mais là, je peux pas aller. Ah, mais clairement, ça me sert à rien. S'il me veut. Ah, il peut rien faire. Ah, mais c'est là que je devrais aller en fait. Mais je peux rien faire. Bah non, je peux rien faire. C'est pas avec mon truc là, ou ma flamme, ou. Ça me sert à rien. Mais non. Mais pas du tout. Oui, je sais, j'ai coupé la cam comme il fait très très chaud et qu'il y avait absolument personne. Comme ça, même si je veux me mettre. Voilà, même si je veux sortir mon zizi, c'est pas un problème. Voilà, donc je me suis dit, étant donné qu'il n'y avait personne. Et que j'avais peut-être l'intention de sortir mon petit zizi. Je me suis dit, voilà, c'était pas. On est surtaxé au Québec avec nos deux taxes provinciales et fédérales. Ah ouais, cool, ah bah génial, bah ça change rien en fait alors. Bah génial. Ça donne envie d'y aller aussi, hein. C'est du grand n'importe quoi. Franchement, le monde est en train de partir en couille, mais d'une force. On va éviter le serpent. Et on va chercher... Par contre, là, très belle aliasing de la part de cet arbre. On le remerciera. Allez, l'aliasing des arbres. La PS4, hein. PS4 est spécialiste. Enfin, PlayStation est spécialiste de l'aliasing depuis 1993. Non, rien à voir. Non, mais réellement, c'est... Ouf ! Putain, je l'avais même pas vu. Non, attends. On va arrêter les mauvaises blagues, là. Merci. Voilà. On va pas se casser la tête. Oh. Voilà. Oui. Allez, hop. Casse-toi. Mais du coup, est-ce que je vais dans... vais-je dans le village de trucs? Grande chute de Morgane. Ruine de Galad. Yes. C'est bien ça. Non. Le loops. Aïe. C'est plus heureux, plus fort que notre monnaie. Ouais. Ouais, est-ce que c'est... Enfin, voilà quoi. Est-ce vraiment un avantage? Faut que je récupère mes BN, c'est bon. Mes mini BN. Ah, très bonne vue. Merci Jean-Michel Caméra. Toujours fidèle au poste. Jean-Michel Caméra, toujours bourré. Hein. Toujours bourré. Alors, le paramètre de difficulté. Oui, ah, ben là, on va peut-être pas augmenter la difficulté pour l'instant. Parce que déjà, en stream, comme on est occupé à discuter, à faire d'autres choses, c'est pas nécessairement le meilleur de changer de difficulté. Et du coup, bah, les ruines, elles sont là-bas. Ah ouais, mais putain, en fait, il y avait juste un raccourci, mais on ne peut pas le faire. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça? Moi, je vais aller voir là, ce qu'il y a là-bas. Là-bas. Oui, donc voilà, comme je disais, comme il y a absolument personne sur le stream, je me suis dit que ça servait pas à grand-chose de montrer ma sale tronche.
pour habituer les gens, de toute façon, voilà. Il y a quand même personne. Alors, il fait chaud, hein. Il fait chaud. Il fait très très chaud. Et un serpent. Attention encore, merci. Voilà. Histoire que je n'ai pas trop de complications. Quelles sont les telles œuvres que tu as fait? À l'époque, j'ai fait le Symphonia, je m'en rappelle plus du tout. Enfin, je l'ai fait, mais je. Voilà. J'avais fait le Xillia 1, je ne suis plus sûr de l'avoir fait complet. J'avais commencé le Xillia 2. Le Vesperia, je l'ai torché de ouf. Celui-ci, je l'ai pas. Je l'avais fait, mais pas complet. Le Berseria, j'y avais pas touché parce que je me suis dit que je voulais d'abord finir le Zesteria, le Zesti. Et j'ai fait le Tales of Earthsair sur Vita. J'ai fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le Destiny, je ne l'ai pas fait du tout. Donc ça, ce serait peut-être à un moment une découverte que je voudrais me taper bien comme il faut, histoire de pouvoir boucler la boucle, comme on dit. Alors, je pense qu'on est sur le bon chemin, c'est déjà ça. Normalement, à droite, il va nous dire. Voilà, ruine de Galahad. Ok, très bien. Bon, on va pas sauvegarder là. Ah, mais par contre, là, il y a un petit monstre, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un Suicune? Comment tu as trouvé le Earth sur Vita? Je l'avais commandé en collector, mais en fait je sais plus où j'ai foutu le collector. Et je l'avais racheté en double. Tu as deux Destiny sur PS6. Ouais, mais voilà, cela je ne l'ai pas fait. Putain, j'ai envie de le faire. Il est trop beau. Putain, on dirait un loup. Je suis sûr que c'est un mini-boss de zone. Bon, allez, on le tente, on se fait casser le cul. Allez, on se fait casser le cul. Managar Marmar. Oh putain, je lui fais absolument pas de dégâts. Ah, c'est magnifique. Je lui fais 1 de dégâts. Ah, c'est beau. Ok. Très vulnérable aux artés. Résistance au feu. Bah, génial. Hein. Faiblesse de terre. Ah, je crois que j'aurais dû attendre. J'ai pas encore le personnage pour. Ok. Bah, ça va, je lui fais quelques dégâts. Par contre, s'il a des adds, je vais pas m'en sortir. J'ai changé de personnage ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ok, j'ai eu peur. Attends, il y a peut-être moyen que je me le fasse. Putain, si j'arrive à me le faire, je vais me faire pas mal de. Je vais faire pas mal de. Ah oui, mais non! Ok, d'accord, on est tous morts. Ok. Ouais, j'avais regardé sa faiblesse, Kuro. C'est pas grave, on va recharger, c'est pas un problème. Je voulais juste tester, mais bon, c'était presque sûr qu'on se fasse casser le cul. Hein. Comment as-tu aimé le jeu? Pas trouvé dans un endroit. Non, c'était. Je l'avais commandé sur Amazon. C'était chaud d'avoir le Tales of Earth R. En plus, il est en full français. Hein. Il est en full français. Donc, ça, c'était. Enfin, c'était cool, quoi. Je l'ai trouvé quand même sympa. Alors, graphiquement, il n'était pas exceptionnel, mais il gardait le. Enfin, il gardait le truc. L'histoire était correcte. Enfin, voilà, quoi. Enfin. C'était pas le meilleur. Pour moi, le meilleur reste le Vesperia. Et pour la nostalgie, je dirais le Symphonia. Mais pour moi, le meilleur, c'est le Vesperia. Pour moi, c'est celui qui est le plus abouti. C'est celui que j'ai. Quand j'ai commencé, j'ai pas réussi à arrêter. Je me suis pas dit, bon, allez, c'est bon, j'en ai marre de ce jeu, j'arrête. Ah, petite texture qui. Hop là! Ok, des bottes. Par contre, j'ai peut-être aussi me stuff. Attendez. On va regarder pour changer un peu d'équipement. Est-ce qu'on a des trucs mieux que la saloperie qu'on a? Je pense pas, hein. Non. Ok, ça on aura plus, on aura moins. Non, mais elles sont. Ah si, celle-là on a plus. Non, elles sont équipées. Un gilet jaune. Ok, il y a un gilet jaune. Ah, ça c'est au maximum. Par contre, du coup, je devrais changer. Pour pouvoir justement. Ça je vais changer. Oui, encore des sherds. Merci les sherds. Cumule des mandats. Ok, d'accord. Donc c'est de la. C'est de la politique, quoi. Anneau qui réduit les dégâts de feu. Ok. Secours, au secours! Ça va pas changer grand chose, à part que je vais pouvoir. Ok, je vais faire ça. Oui, c'est bon, j'ai eu plusieurs trucs. Et les Mantères Martha. Oh putain, les Mantères Martha. Ok, d'accord. Non, mais on s'en fout, les titres! Au revoir! Ah putain, oui, juste même les titres, ils changent tout. Au secours, maîtrise 4. Il faut les changer. Attaque d'Arte, ça peut être bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour elle? Panier antique. Putain, alors le truc, le schéma sur le côté des capacités. Ah, mais là, on va avoir des combos différents. Alors, il faut absolument que
Ouais, mais celle-là, on est au max. Non, on est que 3 étoiles. Ok. On va faire ça. On va essayer de pas trop traîner, mais bon, comme ça. Maîtresse du feu, magicienne. Attaque d'Arte, plus 4%. On va prendre ça. Elle, concentration, attaque d'Arte, même chose. On va taper ça. Ouais, allez. On a quelque chose d'autre. Ouais, ça sert à rien. Ok, ouais, c'est bon, allez, ça va. On va rester comme ça. Verset d'histoire en... Attends, en... est rigolo, car là, tu joues un méchant, ce qui change... Comment ça, sur lequel? Sur lequel? Sur Vesperia? Ouais, mais... Bah, il est pas méchant, il est pas méchant. Il a une conception... Putain, j'ai fait non. Il a une conception de la justice plutôt... plutôt très aiguisé en fait. Il est carré. Pour lui, les méchants doivent mourir. C'est voilà. Et de par ce fait, il est plutôt charismatique. Hein. Yuri Lowell. Je compte aussi le faire ici. Hein, mais bon, on peut pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Mais en tout cas, le Vesperia est celui qui m'a le plus. Pas dire choqué, mais voilà, j'ai vraiment apprécié. Je l'avais fait sur 360 à l'époque. Et je l'avais torché, j'avais refait un New Game Plus, donc avec les armes maudites, etc. Et puis, j'avais tenté de le faire sur PS3, donc je connaissais le jeu quasiment par cœur à l'époque. Et bah, je sauvegarde, mais bon, c'est pas super important. J'avais sur la PS3 en Jap. Et j'avais craqué ma... Je l'avais le jeu en original et j'avais dû craquer ma console parce que sinon ça passait pas les jeux en import. Mais... Ouais, voilà, c'est là. Bah, du coup, c'est là. Ça va s'ouvrir ou qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Entrez. Berseria. Ah, d'accord, ok. Je savais pas que c'était le méchant. Je savais que c'était d'une certaine façon la suite. D'accord. Parce que bon, Vesperia, on peut dire aussi que le personnage, il est pas... Il est pas hyper gentil. Ah, par contre, là, ok. Il m'a pas vu. Donc, hop. D'accord, donc Berseria, c'est... D'accord, c'est un méchant. Bah. C'est à voir ce que ça donne, mais... Je voulais le faire, et puis je me suis dit, bah non, j'ai pas fini Zestiria. J'avais bien avancé dans Zestiria, mais... Je l'avais pas terminé, je me suis dit... Non, je vais pas... Je vais pas tout mélanger, sinon on va jamais s'en sortir. Oui, les faiblesses et tout ça, ouais, c'est bien, ouais. Par contre, les points, je ne sais même plus à quoi ça sert. Attendez, on va faire un truc. Talent de soutien. Sans enquête, détection de... Ah ouais, oh, putain. Et c'est des jeux de ouf, hein, les gars. Ah, voilà, les petits points. Voilà, ça, c'est la même chose que vous avez, on va dire, dans tous les... Enfin, dans tous les Tales of, vous avez ce genre-là. Dans Vesperia, il fallait utiliser les armes. Pouvoir faire ça. Maintenez R2, consommer 1, restaurer 50 CS. Attaque surpuissante rapide. Lorsqu'un ennemi est étourdi, vous pouvez lancer une attaque surpuissante. Ah, charge de puissance. Adoptez une posture défensive pendant au moins une pour augmenter votre choc. Ok. Mm-hmm. Divinité auto. Il active automatiquement son armatus. Ok, ça je vais le faire. Comme ça, je vais le faire. Possible personnage contrôlé, fait automatiquement un pas en avant. Jusqu'à 5 fois lorsqu'il est la cible de projectile. Attention, le total de points obtenus est divisé par 2. Ok, on va faire des trucs comme ça. Et on va utiliser ça pour l'instant. Mais du coup, c'est pour n'importe quel perso. Ah oui, d'accord, ok. C'est moins, on va dire, moins compliqué que dans Vesperia. Modifier l'apparence, ça, on s'en fout un petit peu. Les stratégies, on fait pas ça maintenant. Ok, votre demande d'adhésion pour Tales of Zestiria. Ah, ok, d'accord. Il y a vraiment le groupe Tales of Zestiria, carrément. Très bien. Modifier les paramètres des Arte. Ouais, mais pour l'instant, j'ai rien d'autre. Ah, si, j'ai croc fracassant. Ah, putain, j'avais pas vu. Et là, est-ce que là, écho brûlant. J'avais pas vu que j'avais déjà blindé Arte. Ah ouais, ok. Oh putain. C'est une horreur. Hein. C'est une horreur. Ces jeux, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Putain, mais je me rappelle pas. J'avais fait au début et il y a tellement longtemps. Ok. Personnage. Ouais, mais ça, de toute façon, on lui autorise tous les Arte. Et on lui autorise tous les Arte pour l'instant.
On doit pas se concentrer sur un seul. C'est pas comme voilà, dans Vesperia où on devait absolument laisser un seul Arte pour un seul personnage. C'est dommage qu'il n'est pas sur PSN Store, la Destiny. Ah bon? Ah ouais, mais c'est peut-être un petit peu, on va dire, un petit peu niché comme jeu. Hein. C'est peut-être un petit peu, d'une certaine façon, élitiste. Donc ouais, il se concentre d'abord toujours sur les blockbusters. Hein. Tu trouveras toujours plus facilement des God of War ou des trucs comme ça sur le PSN plutôt que du Destiny, enfin plutôt que du Tales of, quoi. Ça c'est bon, forcément. Hop, on va faire celui-là. C'est l'inscription, ouais, Taras. Ah oui, du coup, donc les points qu'on obtient, donc on peut activer des capacités qui vont rester, mais la différence c'est que c'est pour tous les personnages, d'après ce que j'ai vu, parce que je m'en rappelais plus du tout. Oh, on va avoir un truc d'éboulement, c'est avec. C'est avec un des personnages. Bon, on va pas dire plus sinon pour ceux. Parce qu'il commence à avoir du monde, donc pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, ce serait quand même un peu triste. Alors j'ai retiré la cam, mais du coup, bon. Peut-être que je vais montrer ma sale gueule. Si. Voilà. Si les gens commencent à arriver. Pour qu'ils puissent se familiariser avec ma trogne. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Ben oui, mais bon, voilà, c'est difficile d'avoir des jeux, on va dire, un petit peu moins connus sur le PlayStation Network. T'auras clairement plus facilement du God of War et du Crash Bandicoot que du Tales of. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, hein. C'est justement ça qu'on essaie de changer. La mentalité de JRPG FR, c'est justement ça. C'est justement... À un moment donné, il faudra peut-être monter de niveau pour éliminer... D'accord, il faudra PEX, quoi. Donc là, il me dit, connard, si tu veux avancer tout droit dans le jeu, c'est pas un Tales of qu'il faut jouer. Tu n'y arriveras jamais. Oh, un arc. T'as Chrono Trigger, Chrono Cross, Legend of Dragoon, les Final, Xenogears, mais pas de Tales... Putain, what the fuck? What the fuck? Ils sont peut-être pas pour eux connus comme étant des grosses licences. Pourtant, bon, Tales of, ça a quoi, 25 ans, je pense? Donc c'est pas que c'est un truc où il y a un jeu de temps en temps de façon occasionnelle, quoi. On joue un peu d'eau, hein, parce que je parle beaucoup, il faut boire. Buvez de l'eau. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est notre dieu à tous, JCVD. Merci pour le follow, c'est super gentil. N'hésitez pas à follow, ça nous fait plaisir. Il n'y a que des gagnants, il n'y a pas de perdants. On va essayer de lire l'histoire en même temps. Voilà, donc là, on nous explique un petit peu... comment fonctionnent les Séraphins? Ils ont chacun leur Tales of Earth, les a sur PSN. Mais what the fuck? Donc on nous explique que chaque Séraphin a un élément, d'accord, un pouvoir élémentaire. Et du coup, donc on a déjà l'élémentaire de feu, donc le Séraphin de feu. Mikleo. Avec qui on s'est un petit peu disputé, qui nous a un petit peu dit chais. Bien, voilà, il nous suit, et il va donc voler l'arc. Voilà, sale voleur. Alors Ah là-bas, il y a un Monolith Software. Il y a un Monolith Soft. Voilà, là c'est... attendez. Hein, pour faire un pas rapide en arrière. Ouais, ok. De toute façon, je le sais, mais je vais me tromper et je vais arriver à rien. Alors. La chauve-souris. Est-ce qu'on... Ouais, bah voilà, on va la faire. Et du coup, ce qui est bien, c'est que... Les personnages, donc les PNJ, on va dire... Ils servent à quelque chose aussi en dehors de combat. En dehors des combats, pardon. Donc, très bonne vie. Hein. Merci Jean-Michel Caméra. Faut arrêter de boire. Merci, stop le Ricard. Voilà, là, elle a préparé un remède. Donc, on fait rien. On marche.
À la carte. Ah, ouais. Ah, il y a deux endroits. Il y a deux endroits. Ça commence déjà. Au secours. Les spinales sur PSX dans le store en français. Nous, on a le 2 sur PSP en français dans le store. Ah oui, mais en fait, le problème, c'est que que ce soit dans le PS, dans le PlayStation Store ou dans le Xbox ou n'importe quoi, chaque région, il y a des trucs différents. Donc les gens font plein de comptes différents, ce que je fais aussi. Hein. Par exemple, pour avoir des jeux gratuits dernièrement, il y avait des jeux gratuits sur le PlayStation Store. Il y en avait des autres sur le PSN Germany, donc celui d'Allemagne. Mais là, j'ai fait un petit compte Allemagne. Et voilà, j'ai récupéré les jeux, ça s'est installé sur la console et basta quoi. C'est malheureusement, il n'y a pas trop le choix. Il n'y a pas trop le choix. Le 3 est en français. Sur. Mais putain, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Par contre, tu vois, j'ai vu sur le Xbox Game Pass, maintenant j'ai le FF9. Ouais, je pense que c'est le 9. Je ne l'avais pas fait parce que j'étais pas du tout fan de la licence FF. Moi déjà. Mais JRPG, c'est plus action que tour par tour tactical. Donc voilà. Donc moi, mon délire, c'est plus les Tales of, c'est plus les Xeno, j'aime bien. Pourtant, c'est un mélange. J'ai fait aussi du tour par tour. Hein. J'ai fait les Pokémon, etc. Bon, ça reste du JRPG tour par tour. J'ai fait ça. J'ai fait Baton Kaitos, qui est pour moi. Une des références du JRPG tour par tour. Voilà, ça c'est Baton Kaitos, J'ai fait en tout cas celui qu'on a eu chez nous. Parce qu'il y a eu la suite, qui est donc de base un prélude. On n'a pas eu en français. Et il est sorti par après en anglais et je ne l'ai pas fait quand il est sorti. Déjà pour l'acheter, c'était impossible. Donc bon, maintenant, ça, on va dire, voilà, il y a les émulateurs, etc. Bon, même si c'est de base pas légal. Sont en français, les finales 7, 8, 9, le PSN, eux, sont en anglais, pas logique. Ah putain! Ah, chez toi, tu as les. D'accord, ok. Donc chez toi, les FF, ils sont. Ok. Le coffre est verrouillé. D'accord. Tu as les FF 7, 8, 9 en anglais sur le PSN et en français sur la Xbox. Ah bah génial. Ah bah la logique. Ah bah la logique, quoi. Des jeux japonais qui se retrouvent plus facilement en français sur une console américaine. Bah, génial. J'ai envie de dire, peut-être que c'est exprès, mais bon, ça me paraît bizarre. Mais c'est possible, hein. C'est possible, étant donné que... Oh putain, c'est quoi cette merde? Oh mon dieu, c'est dégueulasse. On dirait une vieille couille vert de terre qui a une bouche. Peut-être qu'ils l'ont fait exprès, en fait. Peut-être que justement, comme ils savent que... voilà, c'est sur le continent... nord-américain, qu'ils vendront peut-être plus facilement des Xbox, ils se sont dit, bah, on va traduire des jeux, parce que bon, quand même pas mal de francophones hein, au Canada, donc ils se sont dit, bah, peut-être qu'on va les traduire aussi. Sur chaque account pour pouvoir avoir accès à tous les jeux. En fait, une fois que tu as rajouté ton utilisateur, non, tu dois pas te loguer à chaque fois, tu peux rester sur celui que tu es. Il y a plein de petites astuces comme ça. Il y a des astuces aussi même sur la Nintendo Switch. Mais bon, alors on va pas commencer à... Parce que je sais plus comment ça fonctionne, donc voilà. Mais voilà, il y a moyen de faire pas mal de trucs comme ça. Donc tu fais ton compte, tu te connectes une fois dessus avec la PlayStation. Tu vas récupérer tes jeux gratuits. Et puis tu changes de compte, tu reprends ton compte normal. Par exemple, si tu as ton PS Plus dessus, bah, tu reprends ton compte normal. Et tes jeux restent liés sur ta console. Voilà. Ça, c'est toujours bon à savoir. C'est un petit peu le même principe que sur la Xbox. Même si tu te connectes, même si c'est quelqu'un d'autre qui se connecte à ta console, bah, il peut jouer avec tes jeux du Game Pass. Pas besoin d'avoir plusieurs abonnements. Ça, c'est Nintendo qui fait ça. Nintendo, les spécialistes. Hein. Big N, si tu nous regardes, on t'aime. D'ailleurs, il y a plein de jeux Nintendo que j'ai pas fini et que je devrais finir et que je kiffais. Astral Chain, par exemple, je vais le terminer. Voilà, peut-être que j'aurai jamais le temps de le terminer. C'est ça aussi qui est problématique. Peut-être que j'aurais vraiment jamais le temps de terminer. J'aimerais bien, hein. J'aimerais bien. Mais j'ai pas assez de vie, en fait. Je me suis dit, je vais peut-être acheter des vies. Je sais pas, sur AliExpress, peut-être qu'ils ont ça. Attends, arrête de courir. Voilà, au revoir. Ah, mais du coup, j'ai rajouté des Arte, mais je les utilise jamais. Oh, putain, je me fais choper par Johnny la souris, là.
attends. Torrent céleste, on est ça d'accord. Ok, trop fracassant. Ok, très bien. Ok, d'accord, ça va. Je les avais bien équipés. J'étais plus sûr en fait. On discute. On en perd le fil. Ok, très bien. Donc là, je suis sur le bon chemin. Par contre, est-ce que je peux aller de ce côté-là? Mon avis, il n'y a que dalle. Ouvrir. On peut aller. Très bien. Très très bien. Est-ce que je vais pas me faire casser le cul là? Normalement, c'est là que je dois aller. Est-ce que je vais pas me faire casser le cul? Qu'est-ce que c'est? Il y a une salle où il n'y a rien. Non, un coffre. Ouais, ça va. Bon, on va juste choper le coffre, c'est bon. Mais j'aurai pas l'occasion de dodge le... Si, ça va. Ok. Ok, donc voilà. Rien de... Là, il n'y a rien de compliqué. On a trouvé l'endroit où on devait... aller. Et... Bah, il y a une petite étoile. N'oublie pas le petit pouvoir, le feu, voilà. Et puis, on aura des autres pouvoirs, parce que forcément, on va avoir des autres élémentaires. Mon cher Watson. Et on aura les pouvoirs correspondants. C'est-à-dire que là, on a le pouvoir de feu, et puis on aura des autres pouvoirs pour justement passer à certains endroits où on ne peut pas aller pour l'instant. Tout simplement. Ah oui, mais non, attends. Il n'y a rien là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Attendez, parce que moi, les jeux comme ça... voilà. Ok. Moi, les jeux comme ça, je les fais pas en ligne droite. J'aime pas. Donc, moi, je suis obligé. Très belle cape, hein. Très belle cape. Hop. Voilà. On est arrivé. À destination. Destination. Qu'est-ce qui se passe? Là-haut. Sur la montagne. Je pense que je m'étais fait casser le cul à l'époque. Ok. Nintendo Switch. Ok, il est en résistance au feu. Génial, hein, déjà. Ça, c'est bien, ça. On fait un petit boss et on est déjà en résistance. Bon, ça va, ils ont 1000 points, ça va. Mais normalement, j'ai des artés différents avec... Je vais me protéger parce que je vais récupérer un petit peu de PM. Voilà, et normalement, ça va, c'est pas... Ce qui est bien foutu, c'est les deux voix en même temps. Les personnages, c'est tellement bien fait. Un petit peu à la Dragon Ball, quand il y a les fusions, voilà, Vegeta, Sangoku, et... par contre, là, je suis en train de me faire casser le cul. Ouais, mais je peux plus les toucher, en fait. J'aimerais bien en tuer un. Voilà. Parce que les combats, c'est toujours difficile quand il y en a trop. Il y en a un seul, ça va. Ah oui, juste, c'est prévu. C'est prévu. C'est dans la cinématique. Ils vont être 14 000. Et là, on a notre camarade, Mikleo, qui est donc là. Il est là. Enfin, on a retrouvé notre ami Mikrayon. Mi de crayon. Voilà, mi Cléo, la mi de crayon. Oh, il a de l'ambition. Il a de l'ambition, le mi de crayon. Bon, allez. Quand même. Hop! On va faire passer notre sale tronche là. Non, mais voilà, c'est bizarre en tout cas, Karl, que. Il y a des différences comme ça entre la Xbox et la PS4 juste pour des... Ah, voilà quoi, juste pour ça, c'est vraiment étonnant. Ok, combat. Allez, maintenant. Oui, quoi? Ah oui, ils vont faire de la magie. Ils vont magiter. Ils vont magitech. Et là... Etc. Elle sait plus la formule. Explosion! Ah, il le connaît déjà. Et du coup, là, on va avoir le deuxième séraphin, le deuxième élémentaire. Hop! Et là. Transformation! Ça, c'est quand même bien foutu, hein, les gars. Ah oui, lui, c'était avec l'arc. Attendez, on se calme. Il faut que je recule. Je suis coincé, au secours. Non, je suis coincé, au secours.
suis coincé. Aidez-moi, je suis coincé. Surtout. Attendez, il faut que je passe parce que là, ça va pas le faire. Je ne vois rien. Au secours, Jean-Michel Caméra, peux-tu m'aider? Ah, je suis coincé. Mais du coup, là, ils sont en faiblesse. Si on regarde, voilà, là, ils sont en faiblesse haut. Et donc, ils prennent bien plus de dégâts qu'ils prenaient juste avant. Parce qu'avant, bon, forcément, on était en dégâts trop. C'était nul, quoi. Ok, ça a été bien plus facile. On leur a cassé le cul! Comment ça, il est parti tout seul? Oui, tu peux utiliser l'armatus. Oh, ils sont contents. Ah oui, ils pouvaient pas utiliser l'arc avant. Et maintenant, ça fonctionne. C'est la magie. Ça y est, maintenant ils se chatouillent. Oh la bromance, c'est mignon. Oh, ils sont en train de se faire des chatouillis. Qu'est-ce que c'est mignon. Non, c'est juste que t'as compris. Et voilà, et hop, il va devenir. Voilà, il va de nouveau s'effondrer. Comme un vulgaire caca. Oui, oh, ça va, hein. T'inquiète pas. Hein. De toute façon, tu pouvais pas les voir, on n'y peut rien. Hein. Y'a pas de soucis. Oui, merci pour le shard. Merci pour le shard. Ok, on va à la chute d'eau maintenant. Il est temps. Il était temps, petit navire. Hein. Allez, let's go. Lorsque les bergers... Merci, hein, trophée, génial. Merci la PlayStation. Prépare le pouvoir de purification pour le combat. Les séraphins peuvent aussi y accéder s'ils ont un humain pour le canaliser. Ce serait le seul humain du groupe. Seul séraphin peut se joindre à lui. Merci pour tous les chers. Mais si une écuyère est présente, un autre séraphin peut participer lorsque... Ok, d'accord. Donc maintenant, normalement, on peut... Merci pour les partages. Par contre, tu fais pas des bisous à tous, ça va? C'est juste à moi. Je commence pas. Hein. Sinon, ça va mal se passer. Ma femme qui veut faire des bisous à tous. Pas de bisous à tous. Sinon, on va avoir une discussion, nous deux. En privé, on va avoir une discussion. On va pas le faire, ça. Ok, premier ennemi, on combat, deux fois plus de chances de laisser un vita. Ok, très bien. Ah oui, donc ça aussi on peut choisir, parce que si on est au courant que certains ennemis laissent certains objets, eh bien il faut le faire. Ok, on a chopé le petit objet. Après on pourra casser les pierres entre temps, il n'y a pas de... Voilà, entre deux chemins, il n'y a pas de soucis. Mais là tout de suite c'est pas possible. On a que de l'eau, on a que du feu, et voilà. Et on a un serpent. Je suis pas sûr que je devais le faire. Enfin, c'est pas grave. Et du coup... Ah oui, attendez. Attendez, il y a un truc que je sais plus. Il y a des fans de l'atelier, comme vous aimez les mangas... j'en ai fait quelques-uns aussi, des ateliers. Mais c'est tellement cher de les acheter. Voilà, j'adore en fait le principe de l'atelier, mais c'est tellement cher. Voilà, c'est souvent 70€ le jeu. Ça fait reculer en fait. Ça fait reculer. Surtout que c'est bien. Mais pour moi, bon, un Tales of reste quand même au-dessus. Bien sûr, c'est pas le même type de jeu non plus. Mais voilà, donc les Tales of, parfois, on les trouve. On les trouve pas très chers. La Vesperia Definitive Edition était à. 40 balles lors de sa sortie, moi j'ai eu à 30 balles. J'aurais peut-être encore des autres prix d'ailleurs, parce que je vais peut-être avoir possibilité de partenariat assez intéressant. Donc on verra, Inch'Allah, comme on dit. Non, on peut pas dire ça sur Facebook, ma femme, s'il te plaît, stop. Stop l'appel au don, le dinosaure, c'est terminé. On en parle plus. C'est long pour le faire, mais oui, mais c'est je sais plus lequel j'avais fait, un ancien, j'en ai fait un et un deuxième, j'avais un petit peu tâté la bête,
Mais c'est cher et c'est, voilà, c'est difficile à trouver. Ça sort à des prix de ouf, 70 euros, parfois 80 euros. Donc voilà. Et ça diminue pas. Déjà, le JRPG de base, les prix diminuent très très peu. Voilà, c'est pas du. C'est pas comme des licences, on va dire, annuelles. Comme les des Call of, des FIFA, des NBA, etc. Là, ça n'a plus de valeur. Une fois que le prochain sort, ça n'a absolument aucune. Voilà. Est-ce que je suis à moitié depuis hier Ouais. Ouais, t'es la moitié de toi-même. T'es déjà pas grand-chose d'habitude, mais là, t'es plus que la moitié de toi-même. Alors, malgré que t'es la moitié de toi-même, je voudrais que. Je parle à ma femme en même temps, hein. Elle est passée sur le stream. Je voudrais que tu gagnes le double de ce que tu gagnes actuellement. J'ai exploré pas mal de tout. Je commence que sur PS4. Bah oui, mais je pense que c'est le mieux à faire. Maintenant, le problème, c'est que quand tu vas faire ceux sur PS4, on va dire qu'ils sont, somme toute, très beaux graphiquement. Est-ce que tu vas avoir le courage de. Voilà, que Dieu te protège, exactement. Est-ce que tu vas avoir. Ah, il existe plein d'autres positions anales. Est-ce qu'après tu vas te dire, bah ça va aller, un jeu PS2, ça va pas être trop dégueulasse, ça va le faire. Est-ce que tu vas pouvoir te dire ça? C'est la bonne question. C'est vraiment la bonne question. Donc, le truc. Il y a des gens, ils sont contents. Ouais, bref. Rien à voir. Voilà, il est trop fatigué, forcément, parce qu'il a utilisé beaucoup trop de son pouvoir. Et. Oui, sauvegarder. Sauvegardation, hein. J'ai besoin d'un sauvegardisme. Ok. Dans les ruines de Galahad. Oui, encore des likes et des trucs, tout ça. Ok, oui, merci. Voilà, faites l'amour, pas la guerre. Oui, très bien. Alors, il a une aptitude innée. Oui, il est fort, hein, il est fort. Rien, j'ai posé ma manette. Et comme elle fait 1,12 tonne, ça ne veut rien dire. Merci pour... Plus de... Plus de trucs avec Kuro dedans, s'il te plaît. Ah, par contre, le casque est bien. Il tient bien. Mais par contre, les lunettes, ça fait un petit peu mal au cul. Hein. Ok. Ouais, il pense qu'il va pouvoir se relever alors qu'il a utilisé. Voilà. Il a utilisé tout son carburant. Non, un vieux hardcore qui a commencé sur Atari, alors les graphismes. Ah, ok, d'accord. Ouais. Mais moi aussi. Mais à mon avis, on doit avoir la même tranche d'âge. Et à peu de choses près. Et là, d'accord. Mais le problème, c'est que. On s'habitue quand même au beau graphisme. Hein, tu sais. Celui qui dit non, qui s'habitue pas au beau graphisme. Bah, je suis pas sûr que c'est. Putain, il a fait une fiole de Resurrection, I don't know. Je pense pas, justement, que. Qu'est-ce que j'allais dire? Je pense pas qu'on puisse se dire, bon. Moi c'était mieux avant. Ah ben, ça me trompe un peu le cul. Voilà. Achat d'équipement? Comment ça, achat d'équipement? Heureusement, il y avait une épée. Ah, d'accord, ok. J'avais une scénette encore. J'avais même pas vu. Et un bâton à l'armure. Non, ça permet de mieux apprécier les nouveaux jeux sous un autre œil. Oui, mais c'est sûr. Mais honnêtement, hein, des fois, je suis un petit peu sur le cul quand je vois des nouveaux. Enfin, moi, il y a des jeux que je trouve très beaux. Quand j'ai fait l'Assassin's Creed Odyssey sur ma One X 4K, pourtant, c'est pas une licence que. Je veux faire dès sa sortie ni rien, c'est pas mon. Voilà. Bon, essayez de lire l'histoire en même temps, pas évident. Et en plus, on parle d'autre chose. Assassin's Creed reste quand même très, très RPG, open world, un petit peu du style que j'aime. Bon, c'est pas japonais, mais voilà. Est-ce qu'on va faire. On s'en fout. Ah oui, certaines scénettes font ça. Ah ouais, on peut manger aussi là. Ah putain, il y a tellement de trucs! On est nouveau client là. Ah oui, après on aura des points différents. Ah mon dieu, au secours. On va manger un porc aux pommes de terre. Hein. Très bon porc aux pommes de terre. Mais voilà, il y a des jeux où je me suis dit, ah ouais, non, putain, c'est beau. Des fois, je me dis, putain, c'est vraiment beau quoi. Et du coup, bah, est-ce qu'on doit juste se cantonner à des vieux graphismes? Non, mais c'est bien, comme tu le dis. Permet de faire la différence.
Bon, je vais fermer un petit peu ma gueule parce qu'il y a plein de monde maintenant. Et vous n'allez jamais pouvoir suivre l'histoire. Je suis vraiment désolé. Hein. Finis l'histoire! Je parle beaucoup, hein. Ouais, je sais. C'est pour ça que je stream, en fait. Si j'étais du genre à pas vouloir parler, à pas vouloir avoir d'interaction, je jouerais tout seul dans mon coin. Voilà. Comme beaucoup. Parce que je fais des tours sur les streams. Le gars casse-couille jusqu'au bout. Non, mais réellement, je fais des tours sur le stream, sur des streams, et le gars, il parle pas. Moi-même, quand je suis tout seul, je parle. Voilà, je suis peut-être un petit peu fou. Et même quand je suis tout seul, je parle. Parce que, voilà, parce que c'est un truc que j'aime bien faire. Ah oui, on a dormi en même temps. On a dormi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'est rien. Ok, d'accord. À manger un porc aux pommes de terre. Voilà, on a mangé un porc aux pommes de terre. C'est trop jeu. Un poro. On dirait que je dis poro, quoi. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Alors, du coup, on a fait une partie. Chercher un séraphin qui deviendra le seigneur de la terre et chercher le père Brunor, le père Brunor, le père, le père, le père Brunor. Ok, préparation d'Anka, un bâtonnet glacé. Un Mr. Freeze. Parce que ça, c'est quand même, Mr. Freeze, c'est quand même l'homme le plus sucé au monde. Ils envoient la princesse dans la ville de l'épidémie. Coronavirus ! Pardon, je suis désolé. Mais putain, mais... Nous sommes aussi sur Twitter, les enfants. Oui ! Ah, bah, depuis tout de suite, alors. Depuis 5 minutes. Depuis 5 minutes, nous sommes sur Twitter. Twitter. Rejoignez le Twitter de JRPGFR. JRPGFR. Le Twitter. Rejoignez le Twitter. D'ailleurs, vous aurez des news que vous aurez peut-être... que vous verrez peut-être nulle part. Venez, en fait. Ce que vous faites, c'est... Voilà, hop. Le Twitter. Twitter. Le gars qui abuse pas du tout. Hey, un garde. Très beau casque. Très beau casque. Et cet esprit de l'eau, c'est un Hélion. Impossible, impossible. Twitter. Twitter. Alors là, à quoi un séraphin? Ah ouais, d'accord, mais il y a des petites boules de suie, là. Qu'est-ce qui se passe? J'avais vu 18 personnes sur le direct, j'étais en train de me dire, c'est pas possible. Ah oui, c'est le père Brunor, le père Brunor, le père, le père, le père Brunor. Père Brunor, c'est le mari de la mère du Nord. Oh, oh. Ok, Twitter. Elle voulait lui payer quelque... Ah, c'est une honte. Attends, donc du coup, elle veut faire un genre d'offrande, mais du coup le gars est correct. Ça c'est rare, hein. Ça c'est rare. Hein. C'est pire que la vraie vie, c'est rare. Hein. Ah, des méchantes rumeurs sur vous et moi, Père Brunor. Pardon, je suis désolé. Ce signe était devant 20 personnes sur Facebook. Le gars fait des signes sexuels. Merci du truc pour le store. Je vais explorer celui de la France. Ah ben voilà, mais tu peux... Il n'y a aucun problème. Je pense que tu peux faire... Il y a un nombre limité, mais je suis plus sûr, Carl. Donc à vérifier. À vérifier. Et je pense que tu vas devoir faire avec une adresse email spécifique à chaque fois. Sur Twitter, il pouf, plus c'est dur. Oui, mais oui, bah oui. Mais Twitter. En même temps, on l'avait dit, hein, Kuro. Mais bon, voilà. On avait dit qu'on n'avait pas la bonne approche de base. Apporte-moi un séraphin. Ah, il a accepté l'argent. Ah, pour finir, il a accepté l'argent. Oh, le voleur. un autre email pour... Bah, voilà. Donc, voilà, petite astuce, hein, pour les 14 personnes qui sont sur le stream. Si jamais il y a des jeux que vous ne pouvez soit pas acheter ou pas trouver sur certains stores, faites des adresses email. Par exemple, j'ai eu des jeux sur ma Xbox qui étaient sortis qu'au Japon et en Corée. Voilà. Par exemple, si tu veux jouer à Phantasy Star Online 2, tu fais un compte US,
pour nous, pour les francophones de France ou de voilà ou de l'Europe centrale, tu fais un petit compte US et hop, tu joues à Phantasy Star Online 2. Parce que vu qu'on l'aura sûrement jamais en français dans nos contrées européennes, j'aime bien c'est que les Japs ils s'asseyent quand même en tailleur au milieu. Ouais, c'est un sale voleur, ouais, il a volé de l'argent. Il s'asseye quand même en tailleur au milieu du chemin, n'importe où. Voilà, il a essayé, il a pas réussi. Le gars il a tenu 30 secondes en tailleur, génial. Un bel entraînement, mon vieux. Une honte. Hein. Oui, soyez prudent. Hein. Soyez prudent. On n'a rien lu. On connaît pas. On comprendra rien comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. C'est logique. On a l'habitude. Pas de soucis. Attends, mais du coup maintenant, au secours. Cherchez un séraphin qui deviendra le seigneur. Le seigneur de la terre. Alors. Où on va trouver ça? Ça se trouve où? On va chez Carrefour, chez Auchan, il y en a un. Chercher un séraphin. Non, mais non. Ok, on va sortir de la ville. Je pense que ça a aidé le prêtre aussi. Il n'y a pas de coffre? Non, il n'y a pas de coffre. Parce que. Est-ce qu'on doit sortir de la ville? Je pense que oui. On voit des petites traces quand il marche, on a l'impression que c'est des petites routes. C'est trop mignon. Hein. J'adore. Les ruines au nord d'ici sont à ça qu'on voit. Go Montagne. Oui, mais Gilbert Montagnier, c'est ça. C'est affreux pour les marchands sans le pont. Ils ne pourront aller nulle part. Oui, mais justement, je sais plus c'est où. Je pense que c'est là, au de Havrelac. Tu dois aller après le pont. Oui, mais attends. Oh là là, Ah, commence pas à me backseat, hein. Attention, hein. Et remonter vers le nord. Mais remonte. Oui, je sais qu'il y a un truc comme ça. Ils vont faire, mais je ne sais plus. Et je pense... Non, c'est pas la forêt, hein. C'est la forêt. C'est là quelque part. Je sais plus. Chercher un séraphin qui deviendra le seigneur de la terre. Putain, c'est que le début, je suis déjà paumé à moitié. Trop bien. Attends, c'est après le pont, c'est... Mais c'est le pont qui existe. Attends, le pont qui était pété, je pense qu'on va pouvoir le refaire très bien. Si je me trompe pas, c'est pour dans l'immédiatement pas loin. Il y a un coffre là-bas, j'ai pas pris. Bordel de merde. Oh non, pas le serpent, au secours. J'ai peur. Bordel. Parce que Proxy s'attrape parce que t'es trop balèze. Alors. Oui, ouest. Oui, c'est ça. Attends. Je fais n'importe quoi. C'est pas là, il semblait que c'était là, moi. C'est côte ouest, je me suis trompé. Hein. C'est pas grave. Hein. Ah, si, c'est... Ah, voilà, il me semblait bien que c'était là. C'était vers le sud. On dirait le sud. Bon, il faut vraiment faire un stream. Chanté. Par contre, les poulpes au milieu des pelouses, là, faut vraiment qu'on en parle à un moment. Faut vraiment qu'on puisse faire quelque chose par rapport à ça. Il y a des gens, il y a un monsieur. Ah oui, ils vont parler, ouais, le pont catastrophe, machin. Et je pense que c'est avec Mikleo, non, qu'on peut déjà refaire le pont. Il va nous dire, oui, on peut le faire le pont. Moi, je suis spécialiste, je suis Aquaman. Et voilà. Oui, c'est à lui qu'il faut parler. Salut! Non, tu peux pas passer. Il va te dire. Kuru, il va te dire. Kuru, ceux qui ont la référence. Et là, des torrents de merde. Des torrents de caca. Mais oui, c'est un Hélion. Bien sûr. Mais oui, c'est clair. Aïe! Oui, mais c'est après la loli, c'est déjà là? Ah! Ma mâchoire, au secours! La lollipop! Lollipop, pop! C'est bientôt, hein, la loli! La loli! Si c'est lui, il peut peut-être stopper l'hémorragie interne. Je bois, hein! Parce que je parle beaucoup! Petite gorgée en ASMR?
Voilà, je sais que ça vous fait plaisir. Je sais que vous aimez l'ASMR. Et vous traînez sur le dark web le dark web du Twitch après 2h du matin. Et il y aura un dragon. C'est un dragon. Et je sais que vous traînez comme ça après 2h au matin sur le dark web du Twitch et que vous regardez des big boobs ASMR just chatting. Je sais que vous aimez ça. Que vous aimez ça. J'ai pas mis de décolleté, hein, parce que bon, voilà. Mais j'y pense. Attends, par contre, on va arrêter les conneries. Résistance. Ok, à la terre et au vent. Mais aucune faiblesse. Et c'est un apode, donc c'est-à-dire sans pied, hein, d'accord. Et en même temps, il prend pas de. Mais pourquoi je lui fais vraiment pas de dégâts? Non, il faut que je fusionne. Fusionnons. Ah mais je voulais pas fusionner avec lui. Je voulais fusionner de feu, de chair et de sang. De sang et de terre. On l'a fait comme ça. Parce que je suis pas trop ah, par contre j'ai plus de. Ok, attends. Je vais essayer de me protéger, de récupérer des PM. Ok. Magitech. Armure Magitech. Par contre les deux. Enfin, les voix doublées, je trouve ça tellement bien, putain. Vous entendez les voix quand ils font les attaques? Dragon faible. Oh. Mais non, regarde, il a pas de faiblesse. Il a aucune faiblesse. On me dit dragon faible. Oh. Non, il est dragon, mais il a pas de faiblesse de base. Il est en résistance terre et vent, mais il a aucune faiblesse. Donc chèvre, fromage de chèvre, Philadelphia, fromage de chèvre. Voilà. Pour tous les amoureux du bon goût. Putain, j'aurais voulu fusionner avec l'autre, mais je ne sais plus comment on fait. Allo Sankai! Putain, mais en japonais avec les voix. Ah, au secours! Au secours! Je vais défusionner. Et mais j'ai pas récupéré beaucoup de points de vie en fait. Parce que parfois il y a moyen de récupérer des points de vie comme ça, mais c'est assez chaud. Putain, c'est lui qui m'a mis 500 de dégâts. Ouh, faut que je me protège. Je suis en train de me faire casser le cul. Let's go. Je suis en train de me faire casser le cul. Ah merde, j'ai des fusions aussi. Ok, j'ai fait une connerie. J'ai vraiment fait une connerie. Je me suis. Bah ouais, non, raté. Il a aucune faiblesse. Il est dragon sans faiblesse. Par contre, bon, ça va parce que du coup, les deux que j'ai. Au pire, j'ai feu. Au pire, j'ai. C'est pas ça que je voulais faire. Ça va, normal, il est bientôt mort. Ah, il est chaud quand même, hein. Donc, ouais. Putain, j'ai raté mon attaque. Ah, putain, non. Ah, j'ai pris quand même des dégâts. Je voulais... Ok. Je voulais d'autres, mais j'ai quand même pris des... J'ai raté. Je voulais faire mon combo. Tac, 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 tac. Putain, chaque fois, l'arc, il change de forme et tout. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Graphiquement, c'est pas exceptionnel parce que c'est des jeux, on va dire, du début de la PS4. Donc voilà, graphiquement, c'est pas Horizon Zero Dawn. Mais par contre, au niveau de la direction artistique, c'est propre pour plein de choses. Putain, j'ai plus de PM. J'ai plus de mini BN. Au secours. Non! Ah, à l'aide! À l'aide! Très bonne vue, hein, sur absolument rien. Par contre, eux, ils peuvent fusionner. Il serait temps. Attends, parce qu'il y a un truc qui va pas. Confirmer action au combat. Non, on s'en fout. Stratégie Arte. Faudra vraiment que je l'autorise à. Je sais plus c'est dans quoi. Dans les paramètres. Il faut vraiment que j'autorise l'autre à fusionner aussi. Parce que normalement, elle peut. Je sais pas si elle peut déjà fusionner en fait. Je pense pas. Je pense que comme elle vient de. Elle vient d'avoir le pouvoir de voir justement les séraphins. Vous pouvez changer de partenaire séraphin avec un lorsque vous contrôlez un séraphin. Modifiez le personnage que vous contrôlez après avoir changé de personnage. Vous devez attendre un peu avant de pouvoir changer à nouveau. Ouais, ça d'accord. Vous ne pouvez pas sélectionner un séraphin qui est KO. Forcément. S'il est mouru. Bon, ça c'était un petit dragon, hein. Et oui, on remarque que ce sont des humains, voilà. Ah non, c'est pas des humains, c'est des serpents, pardon.
juste. En fait, les séraphins de base sont des âmes, on va dire, pures, théoriquement, des âmes gentilles. Et si elles sont souillées, elles deviennent des hélions. Donc, au moins, on tue pas des girafes sur cet RPG. Eh ben, exactement, Tariq. On ne tue pas des girafes sur. Bon, on tue d'autres trucs, hein. On tue des poulpes, on tue des ragondins, on tue plein de trucs. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, il y a pas encore de girafes. Il y en a peut-être, hein. Il y en a peut-être. Honnêtement, je sais plus. Mais c'est vrai que sur Final Fantasy, il y a des girafes, hein. Ça, c'est comme ça. Oui, alors on va demander, est-ce que c'est toi, le séraphin, qui... Non. Non. C'est pas lui. Et du coup, coucou, hein, Tariq. Parce que je pense que tu viens d'arriver. Donc coucou, j'espère que tout va bien. On essaie de suivre facial sur des séraphins. Ouais, exactement, Kuro. C'est super sexy, hein. Facial avec du Philadelphia, le tout sur des séraphins. Séraphin 2, 3, 4. C'est la fin, exactement, c'est la fin. Ils vont lui dire, est-ce que tu veux bien être... voilà, est-ce que tu voudrais bien être le big boss? Vous, la princesse. Pardon. Pas vrai, on n'est pas fatigué. Ok, d'accord. Le gars, il faisait genre... Ouais, non, il n'y a pas de danger. Facial sur le séraphin, surtout celle de feu. Ouais, là, les personnages sont pas mal. Ils ont le chara-design, moi. Enfin, moi, j'aime bien le chara-design. En même temps, de base, les dessins, c'est du Kozuki Fujishima. Moi, j'aime bien, mais bon. Voilà. C'est lui, normalement, qui faisait les Sakura Wars au début, hein. Pas oublié, hein. Pas oublié ça. C'est ça, c'était ça, de Sakura, c'était lui aussi. Celle de feu, elle est bien, c'est vrai qu'elle est pas mal. Mais toi, tu préfères, à mon avis, la femme aux grosses boobs. Pour toi, je sais bien que tu as problème de femme aux grosses boobs. Problème de zboob. Ouais, petit Kubo. Ah, mais ça, c'est maintenant. Le dernier Sakura War, Tite Kubo, c'est Tits Kubo. Mais à l'époque, c'était pas lui qui a créé le personnage. Du coup, bon, je vais luncher. Merci du partage et bon stream à la troupe JRPG. Merci, Karl. Bon app. Prends soin de toi, de tes proches. Reviens quand tu veux. Quand tu veux. Kuro, mais j'aime les boobs. Mais oui, mais on le sait, Kuro. Il n'y a pas de problème. Écoute, il faut assumer. Moi, j'aime les lolis, donc voilà, c'est comme ça. Moi, j'aime les lolis, voilà. Et là, je vais me faire lyncher et on va perdre tous les viewers. Non, mais arrêtez, parce qu'il y a des gens... Ouais, non, demandez au père Brunor. Père Brunor. Putain, où il est encore, ce père Brunor? Pardon. Père Brunor, il va avec sa mère, la mère du Nord. Non mais voilà, chacun ses goûts. Moi, je suis pas attiré par les gros boobs, donc voilà. C'est comme ça. Donc, comme ça. La crête des esprits. Non mais moi, je dois retourner. Mais non, si, je dois retourner voir. Je perds le Nord. Perds le Nord. Putain, mec. Stop les jeux de mots, c'est bon. Après Stardew Valley, Stardew Palais, Stardew Poney, Stardew Porno, c'est bon. J'en ai marre. On avait joué à Stardew Valley, c'était n'importe quoi. Stop. Il faut que ça s'arrête. Il faut que cela cesse. Mais on peut toujours pas aller là, espèce de... Mais vraiment, j'ai vraiment été là. Je suis le roi des connards. Turn around. Right now, yeah. Turn around. Aïe, je me suis un peu pincé une burne. Vraiment désolé. C'était pas prévu. Je me suis pincé une burne. Si vous aussi, vous n'aimez pas vous pincer les burnes, écrivez burne dans le chat. Non mais là, il n'y a rien, on s'en fout. Osef. Putain, mais il y a plein de monde. Préparation de remède, il s'est touché la gelée de pomme. Il y a quoi? Il y a des gens, ils disent des trucs intéressants ou pas du tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Ta gueule? On s'en fout de ta vie. D'abord, faut que tu ailles parler au père. Ouais, mais il est où le père? Père, non. Mais il faut.
pour retourner au début là-bas. Là-bas. Mais le père, là, il y a rien. Voilà, il est pas là, le père. Le père, il est dans la ville. Il est dans la ville. Dans la ville là. Et lui, il a quoi, lui? Une trompe d'eau est arrivée. Au secours, Mais le père Brunor, la mère du Nord, comme on dit chez nous. Ah non, pas Roucarnage. Je l'ai fait celui-là. Ouais, j'ai bon. Au secours. Non, pas Roucarnage. Au secours. Au secours. Oh non, des tentacules et des lolis. Non, c'est bon. Stop. Le cliché, s'il vous plaît. Arrêtez le cliché. Arrêtez de venir de chez Cliché. Alors. Yes. Yes, voilà, Dame Lac. Il est temps qu'on ait un poney, hein. Il est temps qu'on ait un cheval. Un cheval. Les cheval. Il est temps qu'on puisse monter Epona. Le gars qui mélange tous les jeux, qui a absolument rien compris. Par contre, je vais sauvegarder parce que j'ai pas envie de me refaire tout le chemin à pied. Si jamais. Si jamais je me fais par exemple casser le cul par un poule. J'ai pas envie de. Voilà. Et normalement, le père Brunor, il est dans la ville ici. Là où il y a la l'église. Enfin, peu importe comment vous appelez ça. C'est pas une église ici. Hein. Manger du saumon fumé. Nictaras, pas de saumon fumé. Ça coûte trop cher. Il y a 200, 300 ans, ça coûtait rien du tout. Maintenant, c'est fini. Ah si, c'est bien l'église quand même. C'est une église. On va retourner voir s'il y a le. Non, s'il y a pas. Ah ouais, mais non, on le verra pas. C'est un sanctuaire. Ouais, voilà, c'est un sanctuaire plutôt. Je dis une église, mais c'est plutôt un sanctuaire, non? On va croire que j'ai pété, mais en fait, c'est juste ma jambe sur mon fauteuil. Mon siège non gaming. Parce que je ne voulais pas un siège gaming. Il est là, le père Brunor. Le père Brunor. Alors, il va nous montrer son cristal. Et on va devoir se polir le cristal. Ah, mais non, c'est de la glace. Elle a transformé en eau. Il a croyait pas, en fait. Il ne croyait pas. Ouais, vous êtes... Pardon, vous êtes un berger? C'est normal qu'il ne peut pas nous sentir. Il n'a jamais pu vous sentir. Ouais, mais par contre, pour prendre de l'argent, le prêtre, hein? On en parle? Oh, tu joues au Uno? Je suis inexpérimenté, mais j'espère que ce jeu de cartes va me plaire. Au moins, il est con. Il est honnête. Ça revient à peu près au même. Hein. Et hop! Ah oui, juste, lui, il va s'occuper... Ouais, ok. C'est ça, t'as été traversé par un énorme vent. Truc bien avec double sens. Et on va vraiment croire que je pète, hein, j'essaie de mettre ma jambe correctement. La prière ou des trucs comme ça, non? Ah voilà, on nous a pas dit, donc on va devoir deviner. Et déjà, Mikleo, ça le fait chier. Avec sa cape en aile de papillon. Non, pas aile de papillon, aile de libellule. Ah oui, il va nous dire, attention, il y a un Hélion, il va vous casser le cul. Tu es Des relations intimes. Oui, tu ne savais pas que j'avais des relations intimes. Kanguri-da, sonoyona, Arisha.
Aïcha, stop. Écoute-moi. Wow, wow. Aïcha. Ah, au palais de Toblerone. Putain, il faut enfin aller au palais de Toblerone. Si vous aussi, vous voulez du chocolat, venez, on va au palais de Toblerone. Le palais du Toblerone. Ah, ils vont te casser le cul, hein. Oh, elle se sent faible. Un coup d'état. Par contre, j'espère que vous n'entendez pas trop le ventilateur, mais j'en pouvais plus. Je devais me ventiler les testiburnes. C'était plus possible. Ok, bénédiction restaurée. Félicitations. Vous avez désormais accès au menu Seigneur de la Terre. Ah, putain. Là où le Seigneur de la Terre est débloqué. Le nombre de points reçus en combat augmente automatiquement le niveau des bénédictions. Au secours. Putain, juste, mon Dieu, il y a tellement de trucs dans ce jeu. Ok. Alors, attribuer des grâces, offrir des objets. Vous pouvez activer les grâces qui feront effet dans le domaine du Seigneur de la Terre. Tant que vous ne vous dépassez pas le coût total maximum des grâces. Grâces sont pour la plupart des effets. DISC Horde, attendez. DISC Horde. Normalement, DISC Horde, je l'avais pas coupé. Et. Yes! Pourquoi? Ok, pourquoi mon micro il me fait comme si. Ah ouais, on est dans dormir, ok, d'accord. Ok. Allô? Oui. Ah, je t'ai changé de channel parce qu'on était dans dormir, c'est bien. Et du coup, voilà. Repos du voyageur, ouais. Restauration du trésor. Attendez, vous pouvez vous déplacer entre les points de sauvegarde. Alors, bonsoir, Coural. Bonsoir, Kuro. Comment se passe de Stust la soirée Stust? Eh bien, j'ai suivi ton stream depuis le départ et je trouve que qu'effectivement, tu... Je suis vite paumé. Ça se voit que ça fait longtemps que tu n'as plus joué à un Tales of. Bah, clairement, mec. Et je me fais un plaisir de t'aiguiller quand je le peux. C'est vraiment un plaisir, surtout que c'est toi qui m'a mis sur les rails de Tales of. Ouais, c'est vrai. Et ça me fait plaisir de voir le jeu surgir que j'ai fait, en tout cas. Voilà. Par contre, ce que nous avons fait aussi sérieux, c'est pas normal. Aussi soit. Pardon. Comment ça se fait que... Excuse-moi. Mais nous sommes à 20 sur le stream, 12 sur Twitch, 8 sur Facebook. Tout à l'heure, nous étions à plus de 20 sur Facebook, donc. C'est quelque chose qui me rend comme nous relativement fiers. Oui, alors Twitch, j'ai ma petite astuce, hein, comme je t'ai expliqué, donc voilà. Oui, mais il n'y a pas de triche, il n'y a pas de bot, il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de bot. Tout se passe bien. Je voulais juste passer un petit message, justement. N'hésitez pas à partager les streams de JRPGFR, s'il vous plaît. Ça nous fait plaisir. Alors, je dois aller au palais du Toblerone, attendez. Franchement. On va essayer d'aller au palais du Toblerone. Ah, au palais du Milka. Au palais du chocolat. Et la marmotte met le papier d'alu. Au palais du chocolat, les marmottes sont rois. Ça ne veut rien dire. Ah, c'est un adage. C'est un adage très, très répandu et très connu. Exactement. Du coup. Votre abonnement PS Plus va bientôt expirer. Quoi, c'est ce que t'as eu? Ouais, mais je vais pas le renouveler. Il y a jamais rien. Mec. Je l'ai eu aussi en démarrant la console tout à l'heure. J'y ai jamais rien. Je te rappelle qu'on avait pris le PS Plus à peu près en même temps l'année passée pour justement pouvoir jouer à des jeux et tout en multi. Et en fait, voilà. J'ai envie de dire voilà. En fait, il n'y a rien. Arrêtez de dire que PS4, c'est la meilleure console au monde et qu'il y a plein de trucs. Stop, arrêtez. Je vous jure, arrêtez. Il y a des JRPG, certes, parce que c'est une console japonaise. Mais stop. Franchement. Prenez le Game Pass Ultimate sur Xbox. Voilà, vous aurez des jeux sur votre PC, vous aurez des jeux sur votre Xbox, vous aurez des JRPG. Il y a les Final Fantasy qui commencent à venir. Il y a des Yakuza. Il y a plein de trucs, les gars. Voilà. Après, Yakuza, ça dépend. En fait, c'est juste le dernier qui sera très axé JRPG et surtout JRPG tour par tour, et le somptueux Judgment qui a été traduit en français, qui est on va pas dire un crossover, mais c'est plutôt un... Voilà, ça fait partie de la licence Yakuza, mais c'est une histoire parallèle
d'un avocat qui veut devenir un détective privé. Et donc, il est obligé de mettre les mains dans des affaires un peu salaces. Donc, et c'est un peu un spin-off, c'est un alors exceptionnel. C'est ça, c'est exactement le terme que je cherchais. C'est un spin-off, effectivement. Ouais, pas un crossover, donc... un spin-off. Ok, d'accord. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas la différence, voilà. Et alors, en fait, cet opus-là est vraiment axé JRPG dans le sens où on a un arbre de compétences, on peut débloquer des compétences avec... Je voyage dans le château du Toblerone, les gars. Voilà. C'est vraiment un très très bon jeu et j'hésite à le streamer sur JRPG le FR. Bah écoute, moi le Judgment, ça m'avait l'air. J'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de le faire. Il est difficilement trouvable et il coûte quand même souvent un bras. Donc voilà, je peux pas me le permettre non plus. En plus, bon, si tu l'as et que tu le streames, j'en ai moins l'intérêt, tu vois. Au lieu de l'acheter moi pour, par exemple, le streamer, je vois pas l'intérêt. Donc je vais dire de base. Enfin bref. Parenthèse fermée, les enfants. Fermez bien la parenthèse. Nous aimons le JRPG. Nous voulons que le JRPG devienne un genre phare des pays francophones. Aidez-nous, partagez, likez et faites-vous plaisir sur le stream. Et n'hésitez pas à interagir avec notre ami Kaikun, qui est une personne solaire et merveilleuse. Merci. Oh là là, oh là là, oh là là. Il a cru que j'étais le nouveau Christ cosmique de Twitch, ça y est, et de Facebook, dans le streaming du jeu vidéo. Ça y est, c'est parti. Je suis le jeu vidéal. Le jeu vidéal. Non mais bon, faut pas déconner quoi. Solaire. Sinon je suis sur Code Vein. Ok, voilà. D'accord. Mais moi solaire j'aime bien, mais voilà, les batteries solaires par exemple, tu vois, les recharges solaires. Sinon le soleil, moi j'aime pas le soleil. Mais moi musicalement je préfère MC Solaire. Donc, ok, ça va. Allez, salut. Donc ce stream s'arrête ici. Merci à tous. cette blague était la blague de trop. Donc on va s'arrêter maintenant. Voilà, merci beaucoup. Non mais stop. Quoi, attendez ici, Ime-sama, princesse Ime-sama. Princesse Ime-sama. Non mais ça veut dire la même chose. Ime-sama. Vas-y, je t'avais dit de pas mettre ta main. Ime-sama. Princesse Ime-sama. Ah bah c'est pas grave, je le laisse faire. Mais c'est dégueulasse, ne le laisse pas faire. Non, j'aime bien, ça me plaît. Et d'ailleurs, il y a, sur son costume, on vient de voir qu'il y avait une main derrière. Et sur l'emblème... Regardez, il y a une main. Il y a un genre d'armure, un genre de bouclier, une pioche et une main, un gant. En fait, c'est sûrement pour dénominer les différents types de... Voilà. De catégories, de classes qui existent. Pas dans le jeu. Hein. Alors, on va se séparer, et ça, c'est une mauvaise idée. Et donc, nous, on doit faire quoi, là? Par contre, c'est bizarre, Kuro, parce que je t'ai augmenté de ouf sur Discord et je t'entendais très bas. Alors. C'est normal, c'est parce que mon micro est loin. D'accord, et micro est loin, micro loin. Je n'ai pas mon micro à côté du visage. D'accord, donc il est micro loin, ni trop près. C'est ça, exactement. Ok, d'accord. Très bien, magnifique, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention, somme toute romanesque, ce qui ne veut absolument rien dire. Et ça, c'est pour beau. Ton intervention chirurgicale. Les gars qui disent absolument n'importe quoi. Mais du coup, je pense pas qu'on t'entende. Je vais essayer de mettre le micro sur mon ventre. D'accord. Et voilà. Est-ce que tu penses que tu peux le mettre dans ton... Dans mon ventre, dans, oui. Dans ton bureau. Il est sur mon ventre. Dans ton bureau. Voilà. Non mais mec, t'allais pas dire dans ton bureau, arrête. Arrête de nous prendre pour... Si, j'allais dire dans le bureau. Je te jure. Non, t'allais pas dire dans le bureau. Espèce de connard. Alors, il y a des portes. C'est journée porte ouverte ou quoi? Putain, mais il y a tellement de portes. Au secours. Ah, il y a un coffre. Oh, il y a un coffre. Ouais. Au secours. Très beau fauteuil en plastique de texture JPEG. Très beau. Très beau fauteuil en nylon. Ni court ni long. Ça en nylon sur ta personnalité. Oh putain, les jeux de mots, ils sont... Waouh, ils sont épicés aux petits oignons, mec. Après une journée de travail comme ça, frérot... Ouais, j'ai bien... Vrai. Mais tout de même, vrai. Des coffres, l'argent. Ouais, l'argent, oui. Oui, donne-moi de l'argent. J'aime l'argent, j'aime les coffres. Alors. Mais putain, j'ai vu une étoile, c'est pas là.
Aïe. Oh purée, il y a une grosse maman. Ok, d'accord. Comment ça, il y a une grosse... C'est une grosse. Ouais. T'es un peu grossophobe, toi. Hein. Tu me fais peur, honnêtement. C'est quand même... Mais du coup, je dois aller où? Je dois aller là, quand même. Oui. Bordel. Bah oui, putain, moi je fais tout le tour du Châtal. Pour rien du tout. Le Châtal. Espèce de gros Châtal. Ah, il mange de la dinde, du poulet. Il mange du poulet. Attendez, parce que j'ai la raie qui commence à transpirer. Ça, il fait trop chaud, j'en ai marre. La raie. Au secours. C'est bien trop chaud. On va augmenter le son du Elgatal. Un petit peu, parce que sinon on n'entend rien. Attendez, par contre, je fais un truc. J'ai vraiment l'impression que le DISC Horde va vraiment trop bas dans la Horde. Pour la Horde. Je suis à fond. Donc c'est vraiment Kuro qui a mis son micro dans son cul. Mais non, c'est juste que voilà. Merci aux 15 personnes qui sont sur le Facebook. Merci, venez, il y a que des gagnants, il y a pas de perdants. Pardon. Putain, le mec est complètement torché du cul. Et torché du cul, en fait, c'est vraiment le bon terme, parce que j'ai vraiment l'arrêt très trempé. Hein. Si jamais ça vous intéresse de le savoir. Voilà, j'ai l'arrêt très trempé. Et pourquoi elle ne peut pas aller? Parce qu'il va lui dire... écoute, la princesse, si elle continue, on va lui casser le cul. Voilà, tout simplement. Beaucoup de cinématiques. C'est un JRPG, hein, les gars. Ah, si on met en full screen pour les cinématiques. Ah, désolé, j'ai cogné le Mikral. Mimikral. L'OLM sale. L'OLM bien sale. Mimi, cracra, l'eau, elle l'aime bien sale. Dégueulasse. Alors la voix des méchants là. Tami to you no wa. En tout cas, il mange de très belles textures JPEG. J'adore les textures JPEG. Ils veulent le soudoyer. Oui, c'est bien les politiques. Hein. Il y a des gens qui crèvent de faim et tout. Hein, il y a les gilets jaunes dans la rue. Et eux, oui, mais nous, on vous donne un peu d'argent et vous fermez votre gueule. Ok, on vous donne une prime. On vous donne une prime et vous allez aller taper sur les gens, ok? Voilà, il jette un vieux sac avec quelques pièces et lui dit, tiens, va taper sur la gueule des gens. T'inquiète, vieux, jeune, handicapé, on s'en fout. Et ils l'ont envoyé dans un guet-apens. Voilà, donc ils l'ont envoyé dans un guet-apens. What happens? Dans un guet-apens. Dans un guet-apens. Il a vraiment la tête du... Voilà.
La tête du chien. La 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 la. Isedoshi Fuzei ga koukai suru zo. Arisha tomodomo tsubushite kureru. Mate. Ittai douyu koto da? Bokyū nai ni bussō heidan o hai suru to wa. Kore wa Bartoro sama no mei de. Sure yo dou suru ki da Bartoro kyō? Ah, les gens s'en vont. Tout le monde en a marre. Go, Arisha. Jibun no yume wa jibun de kanaeru yo. Ore mo, Arisha mo. Ah, mochiron da. Va falloir casser le cul au chevalier. Non mais attends, attends. Voilà, voilà, je voulais changer, je voulais avoir ça. Voilà, c'est bon. Hey, yeah, yeah, yeah. Attends, par contre, j'ai pas regardé. Aucune faiblesse, aucune résistance. Bon, en même temps, ils sont en carton, donc c'est pas le problème. Voilà, ok. Les gars, ils sont voilà, ils sont en mousse de... En mousse de chocolat Quata. Ça ne veut absolument rien dire. Ah oui, mais par contre, ils sont 120 012. D'accord, très bien. Par contre, avec un art, je l'ai... Voilà. Avec un arté, je les tue, en fait. Tous. Ah non, ça va. Je croyais qu'ils étaient... Ça allait arriver par par pack de 6 comme des chicken nuggets, mais ça va. Voilà, et là ils se disent, oh, c'est vraiment le berger. Bah oui, j'ai mes moutons et tout, donc t'inquiétez pas. Roland, c'est la femme de Roland, quoi. Merci, merci beaucoup d'avoir... Hello, hello, hello. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Installe-toi, fais-toi plaisir. Voilà, prends-toi un petit popcorn, un petit soda. Et là, on ne sait pas c'est qui. Ah, c'est qui c'est. Mais bien sûr. Et en fait, ceux qu'on pensait être vraiment des méchants avec des masques, etc., en fait, ce sont les gentils. Ce sont les gilets jaunes. Le gars le plus politisé au monde. Il va se faire casser le cul par tous les politiques, etc. Bonne nuit, hein, je sais pas ce qui se passe. Bonne nuit. Pas qui a dit bonne nuit, mais c'est court. Ok. Allez, une petite sauvegarde parce que là il s'est passé quand même pas mal de choses au château du Toblerone. Et les musiques, ça commence, les musiques des JRPG. Pardon. Non mais les musiques, les gars. Les musiques, c'est trop bien, les musiques des JRPG. Stop, arrêtez de... Voilà. Juste pour les musiques, déjà. Faut y jouer, juste pour les musiques. C'est pas grave, t'as qu'à les tuer, t'as qu'à leur casser le cul. Hop. Préparation de remède gelé de pommes. J'ai mis le son plus fort parce que j'aime bien la musique. Rien à récupérer. Oh mais je l'avais déjà fait en fait ce point-là. Ouais. Écoutez-moi ces musiques. On va diminuer parce que sinon, ça va être une catastrophe. Voilà. Ok. Oui, c'est un truc devant.
C'est un truc de vent. De vin. Pardon. Je me laisse emporter par la musique, je suis désolé. Je vais essayer que cela ne se reproduise plus, mais j'y crois pas. Ah, par contre, il y a des petits légumes là. Des petits légumes, des petits poissons. Des courgettes ou des petits concombres. Regarde ça. Mais putain, c'est pas des courgettes. C'est quoi ça? Bordel. Ah non, mais. Quoi? Ça a refermé le passage? Lol, je me suis pas softlock quand même. Ah ouais, d'accord, ok, non, ça va. Ah? Ah ouais, c'est vraiment. Ah non, c'est là, d'accord, ok. Il faut appuyer sur la fontaine, Jean de la Fontaine. Achou, à tes souhaits, merci en tout cas de passer. C'est un plaisir, merci. Ok. On est. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, non, c'est la femme tortueuse achetée. Attendez, on va voir ce qu'elle donne de. Une épée d'ambre, un bâton d'ambre. Et tout ça, en fait, est plus puissant que ce que j'ai actuellement. Oh. Oh, est-ce que je vais dépenser des sous? Oh, je n'aime pas dépenser des sous dans les jeux vidéo. Attendez. Bah ok, en fait... Alors, je vais pas... Ouais, on va équiper. Par contre, je vais pas revendre les objets. Parce que dans les Tales of... Faut pas revendre vos objets. Parce qu'ils vous servent à débloquer certaines choses. Non, je veux pas, j'ai déjà. Je prends les objets que j'ai pas. Comme ça, je vais pouvoir débloquer certains trucs. Ouais, allez, c'est bon. Ok, bah ça j'en ai... Mais j'en ai un de chaque. Et ils sont équipés où? Je vais en prendre un en plus. Et je vais équiper Mikreo. Ok. Ça, c'est quoi? Anneau de feu. On en a. Mais pourquoi ils me disent que c'est plus puissant? J'ai retiré les anneaux de feu? 4 possédés. Mais c'est quoi cette connerie? Attends. Il y a un truc qui est pas logique. Équipement. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils sont équipés. Bordel. Ok, bah ça va rester comme ça. Bah oui, mais j'ai rien de plus en fait. Ah ouais, mais non, ça servait à rien ce que j'ai acheté. Bah si, parce qu'il y a les... Ouais, ça servait. Ok, on va rester comme ça. C'est bon. C'est suffisant. Non, oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle horreur. Une médusa là, dégueulasse. Mais c'est horrible. Non, attends. Attends, ok. Ah, j'ai pas regardé avant. Alors, ça lag pas, hein, c'est fait exprès, ça fait des attaques en plusieurs coups. C'est logique. Ah, j'ai fait des bulles d'eau. Bulles d'eau. Par contre, dégueulasse le personnage serpent là avec des gros boobs. C'est horrible. Super. Bon, on va remettre. Je vais remettre ma vieille gueule là. Hop, hop là. Ok. Détection de trésor. Avec ce talent, vous pouvez détecter les... Ok, d'accord. Ok, on s'en fout. Donc les talents, c'est vrai qu'on pourrait... Enfin, je pense que je les utilise de toute façon par défaut. Ah, peut-être que le talent ou trésor, je vais regarder pour le foutre à un autre personnage. Ouais, ça peut être... Ouais. Avantage d'une CS élevée, hein, augmentation du taux de récupération. Ok, très bien. C'est très très bien, je suis vraiment très content pour toi. J'avais dit les talents. Attendez. Les talents. C'est ça alors. Yes. 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 Ok, on va laisser comme ça. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On va sauvegardationnage. Sauvegardationnage. Je m'en souviens. Ok, une fiole de Resurrection. Resurrection, I don't know. Putain, un homme, mi-homme, mi-porc, mi-de-pain. Ah putain, je voulais pas me fusionner avec lui. Je vais défusionner, je vais changer. Merci, ça servait à rien parce qu'on les a one-shotés. Attends, par contre, du coup, j'ai pas envie d'aller directement dans la fin du jouet gosse. Mec, tu ne parles pas espagnol. Tu n'as jamais parlé espagnol. Arrête. Ça sert à rien. Du juegos. On va aller directement. On va continuer les juegos. Mec,
stop, arrête, tu ne parles pas espagnol. Si, si, je dis juegos, donc je parle espagnol. La pièce là, j'ai fait, il y avait un coffre. Là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a des monstres. Un monolithe. Alors, en mode normal, les effets de récupération de certaines capacités sont stockés. Partie bleue claire de la jauge de PV. Au moment de l'aromatisation, ce stock est instantanément transformé en PV. Ah oui, juste! En fait, quand on se fait un peu péter le cul... Oh putain, je l'avais pas vu. Oh, des mi-hommes, mi-porcs, mi-fantômes, mi-cracra. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont moches, ces bonhommes. C'est dégueulasse. Au secours, aidez-moi. En fait, parfois, vous voyez sur la jauge des PV, mais vous ne pouvez en transporter plus. Non, on remettra sa place, comme ça si jamais... Yes. Par contre, laisse-moi passer au secours, merci. Des gelées de popom. J'en ai déjà trop, voilà. Là, c'est quoi? Une couronne des elfes. Ok, très bien. Laisse-moi passer, merci. On va faire l'homme popor. Oh putain, il y a des femmes serpents nichons. Et donc, vous voyez en dessous... Oui. Mi-femme, mi-serpent, mi-méduse, mi-nichon. Alors, je vais essayer de vous montrer après en combat. En combat. Je vais essayer de vous montrer en combat. On va aller par là, d'abord. Mais du coup, normalement, on peut faire un truc comme ça. Ah ouais, voilà. Putain, j'ai l'impression d'avoir des micro-freezes de temps en temps. Dans le jeu directement. Hein. Et j'ai changé de... aromatisation. Par contre, je sais pas. Ah ouais, non, aucune. Enfin, pas de résistance ou de faiblesse aux éléments que j'ai pour l'instant. Forcément, c'est logique. Par contre, j'ai l'impression d'avoir parfois des micro-freezes. Putain, c'est une PS4 Pro, quoi, les gars. Merde. Par contre, si tu parles pour eux, je t'entends vraiment pas. J'ai mis le Discord à fond. Mais si jamais tu dois parler, voilà. Fais-moi un signe, alors fais-moi un signe. Apparaît, je t'attends. Est-ce que je ne t'entends pas? Hop, on peut tirer avec notre épée. Ça, c'est typiquement les trucs qu'on voit dans les mangas. Voilà, tirer avec les épées. Turlu, turlu, tutu, turlu, turlu, tutu. Bon, ça va, du coup, on a quand même avancé, je suis content. Bon, on tue quand même pas mal de femmes méduses, serpents nichons, mais ça va quand même. Et d'hommes mi-homme, mi-fort, mi-marteau, mi-copain. Mais ça va. On va changer et on va se fusionner de nouveau. Enfin, par contre, tout le monde parle en même temps dans le jeu. Je ne comprends plus rien. Tous les personnages qui parlent en même temps. Mais vous savez pas attendre et parler l'un à la suite de l'autre? Parce que franchement, le respect, vous coupez tout le monde. Ah, une mi-femme, mi-nichon, mi-oiseau, mi-serpent et mi-de-pain. Voilà, parfait. Et elle a quoi comme faiblesse? Putain, elle a aucune faiblesse, elle a la résistance aux deux éléments qu'on n'a pas. Non, ça va. C'est fait exprès pour que on fasse des dégâts, on va dire, équivalents à un équilibre. Ah, alors elle fait... Oh, oh, ah, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, ah, ah, oh, oh, ah. J'ai plus de PM, j'ai plus de PM, je vais me faire casser le cul, j'ai plus de PM. On va essayer de tuer les ZAD d'abord. Et sinon on va se faire... Par contre je voudrais bien que l'autre grognasse elle fusionne avec Mitrayon. Ce serait pas mal. Oui, j'ai jamais de PM, au secours, je suis revenu, j'ai jamais de PM. Hop, on va essayer d'éviter Médusa le serpent. Non mais Mikleo, donne-moi... Je sais pas, t'as pas d'attaque pour DPM? Non, il a pas d'attaque pour DPM. Je crois qu'il peut heal. Je crois que Mikleo, il peut heal. Ou c'est... Non, c'est pas Mikleo qui peut heal. Attends, mais de toute façon, je suis full life, là. Et vous voyez sur Mikleo, par exemple, là, on voit qu'il y a une petite jauge bleue. Et théoriquement, c'est des PV qu'il a perdu. Mais par contre, si je fais ça, il récupère ses PV. Voilà, si je fusionne avec, il récupère ses PV. Alors là, c'est pas des lags, mais par contre, il y a certains moments où j'ai l'impression que c'est un peu noir. Oh putain, la méduse, elle a fait... Ok, niveau plus. Niveau plus, toujours plus. Oh, j'ai compris.
Bon, du coup, ça fait bizarre d'avoir un casque qui n'est plus sans fil. C'est bon. Sans fil, c'est bien, hein, mais ça pue la merde. Normal, c'est un simple d'esprit, hein. Heureux les simples d'esprit. Il est tout le temps content. Content pour un rien, le garçon. Oh là là. Elle s'est regardée dans l'eau et elle dit j'ai vu hello Damien, j'espère que tu vas bien. Comment ça se passe? Alors, let's go. Continuons. Ah, il y a un coffre là-bas, je dois pas l'oublier. Alors, on va battre les mi-homme, mi-porc. Ah, il a disparu. Ok, d'accord. Mi-homme, mi-porc, mi-marteau, mi... Le coffre est verrouillé. Bah, j'ai pas la bonne clé. Il faut la bonne clé. Ok. Ok, les mi-homme, mi-porc et les porcs... les têtes de porc fantômes. Allez, hop, hop. Là, on va se gêner avec lui, avec elle, pardon. Et on va tuer les mi-femmes, mi-serpents, mi-méduses, mi-michons. Yes, ça va super bien, Damien. Merci beaucoup pour le follow. Encore. C'est vraiment bien. Merci. J'aime l'amour. J'aime les pommes de terre, les haricots et les saucisses. Yes, je vais très bien, moi. Je vais très très bien. Voilà, tout va pour le mieux pour l'instant. Alors, je dois aller où? Frayez-vous un chemin à travers les ruines? Mais j'y suis, mais du coup, après... Moi, je dois ressortir ou... Attends, là, je suis au bon endroit. Pourquoi il veut rien faire? Au secours. Au secours. Au secours. Je voudrais ouvrir cette porte. Ok, on peut rien faire. Ah oui, mais putain, je suis vraiment le roi des connards. Je suis vraiment le roi des connards. Normalement, maintenant, on peut. Ah non. On peut pas. Attendez, il doit avoir d'autres trucs dans le genre. Ça, on est d'accord. Une seule? Ça me paraît bizarre. Damien, toi, tu aimes le boudin. C'est super. En plus, ça rime. Très bien. Très, très bien. C'est bon, boudin. Boudin frit compote. Très, très bon. Du coup... Ouvrir cette porte. Attendez. Ah oui, mais non, mais il y a des mi-homme, mi-porc, mi-boudin, là, non? Ah putain, il fallait que j'ouvre ça. On dirait que quelque chose a bougé. Putain, j'avais pas vu. J'avais oublié que les roses sont roses. Ah, j'avais pas vu, sinon je pouvais déjà, à mon avis, ouvrir cette porte. Yes. Yes. Yeah. J'aime moins cette musique. Musique là. Par contre, des monstres qui apparaissent, qui disparaissent. Pourquoi on en est arrivé là? Attends, on va essayer de voir là. Mais j'ai déjà été là. C'est les ruines du début. Ah oui, avec mi-porc, mi-. Ouais, mais non, mais c'est ça. Bah oui, c'est... En même temps, c'est un petit peu des porcs, donc mi-porc, mi-boudin, quoi. Oui, c'est mon humour, hein. C'est mon humour habituel. Donc voilà. Donc si tu aimes l'humour, si toi aussi t'aimes l'humour, viens, on en mange 3 fois par jour. Mais j'avais déjà été. Mais oui, c'est clair. J'avais déjà été là. Alors. Créez-vous un chemin à travers les ruines. Je sais pas où je dois aller, au secours. Je suis perdu dans le jeu de ces mots. Alors. Non, pas le Nosferapti. Et je viens de là, moi. Connard. Mais je suis sur... Ah, Attends, ils ont des faiblesses? Non, pas de faiblesses. Rien. Nos faiblesses. Nos porcs, nos boudins. Hop. Allez, arrêtez. Allez, mourrez. Vous allez encore propager le coronavirus. 5 fruits et légumes et 5 humours par jour. Ben ouais, mais c'est pas toujours évident. C'est un,
Tu sais, c'est un régime riche en protéines. Ça, c'est pas évident à faire. Par contre, est-ce que j'ai... Bah oui, j'ai déjà été là. Parce que c'est là où j'étais. Par contre, on va faire gaffe aux bonbons Haribo, là. Attends, ça, je peux peut-être l'ouvrir maintenant. Yes, je peux l'ouvrir. Au secours. Non, arrête. Du coup... Ah, bah ça change rien. En fait, je suis en train de faire tout le tour pour rien du tout. Là, j'ai fait. Celui-là, j'avais fait. Ça, je l'ai fait. Ouais, ça, je l'ai fait. Ok, parfait. Parfait, parfait. En avant pour de nouvelles aventures. Rejoignez JRPGFA. JRPGFA. La référence du JRPG des mondes francophones. JRPGFA. Le mec. Putain, c'est... Et le gars il va absolument réagir. Il y a mon mate Kuro qui va absolument réagir. Et je le fais exprès et le gars il va toujours réagir. C'est trop bien, c'est trop facile. J'adore l'humour. J'adore l'humour, mangez-en, n'hésitez pas. En fait, en réalité, faisons du JRPG un genre phare des pays francophones. Adoptons les JRPG. Le gars il sait que je vais le faire exprès. Mais il peut pas s'en empêcher. Non, c'est pas mon mari, pas du tout. J'ai ma femme qui est en bas qui est occupée à faire ces trucs. Et lui il a sa femme qui est occupée à faire ces trucs. C'est mon bro. C'est juste mon bro. Il y a rien de sexuel. Même s'il le voudrait, hein, mais bon, il y a rien de sexuel. Voilà. Il espère, mais bon, voilà. Je peux espérer. Dans la vie, faut espérer. Non, on t'entend pas. Si tu dis ferme ta gueule, écoute, il faut que tu le dises plus haut. Hein. Mais là, j'ai déjà été sur la grosse épée. J'ai déjà été voir ma grosse épée. Hier. Twitch, c'est pour streamer. Pour streamer du Fortnite, du Valorant. Et du vol au vent. Ah mais là on peut pas remonter, espèce de connard. Je suis encore paumé. Tu mets de l'eau ou du vin dans ton bro. Exactement. Un petit peu de tout. Non, du vin, je sais pas si tu bois vraiment du vin. Est-ce que tu bois du vin? Non. Tu ne bois pas de vin. Un divin vin. Vin. Ah ben, toi aussi t'as une grosse... Mais on dit pas une grosse, dit Damien, ça se dit pas. On dit une femme chérie d'amour. Ou une casse-couille connasse à mort. Mais ça, c'est autre chose, on peut pas le dire. Oui... Ah parce que bon, voilà. C'est bien que les femmes... Voilà, mais on sait pas faire sans. Impossible. Pourtant elles sont chiantes. Hein. Mais bon. Voilà. Enfin, surtout la mienne. Elle est au courant, ça. Parce que j'avais déjà fait Scoff de Seymour. Yes. Ah non, j'avais pas encore fait. Et du coup, je me fais attaquer par un cuberdon. Ah, je croyais que tu disais, j'avais pas vu épée. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Et ça y est, ça part sur des insultes et des trucs sexuellement discutables. Parce que... Putain, je suis encore une fois paumé. Hein. Je suis vraiment le roi des cons. Je suis vraiment le connard. Oui, allô, quoi? Qu'est-ce qui se passe? De son cyclope. Il nous parle de son cyclope. Eh bien, écoute, je suis très content de l'apprendre, mais par contre, je ne veux pas en savoir plus. Alors. Mais du coup, est-ce que je dois retourner par là? Au secours. Tu crois que le coronavirus, ça se transmet sexuellement? Ouais, ça se transmet. Ça se transmet par email aussi. Faut faire gaffe. Envoie un email à quelqu'un. Et par Discord aussi. Donc fais gaffe. Je pense que. Ça se transmet aussi par morse. Par morse. Et voilà. Alors. Par les morses, hein, les animaux. Donc, c'est ça. Et par éléphant de mer aussi. Il y avait les pangolins. Puis après, il y a eu le pandolin. Voilà. Puis il y a eu le pangasius. De là, la pandémie. Et seulement après... Les mi-hommes, mi-porc, mi... Mi-cracra, voilà.
Non, non, je crois que le coronavirus, ouais, par... par email, par... par Messenger aussi. Regarde, Messenger pour l'instant. Par TikTok. Ça, d'ailleurs, voilà, ça, ce serait bien. Détection de points d'intérêt. Quoi ? Examiner quoi ? On s'en fout. Les animaux ne peuvent pas traiter le coronavirus. Oui, on le sait, c'est une blague, t'inquiète. T'inquiète bien, t'inquiète pas. Mais on nous fait croire tout et n'importe quoi, donc... d'abord qu'ils peuvent l'avoir, puis qu'ils peuvent plus l'avoir. Mais par contre, ça me paraît bizarre que là, je suis rentré dans le dungeon. Nous ne pourrons pas rentrer au palais pendant un moment. Oui, mais d'accord, mais je dois sortir, au secours, quoi. Au secours, je suis paumé dans ce donjon de Simori à des têtes de porc. Qui veulent m'attaquer, qui veulent ma tête. Non, mais tu sais, d'abord, on a dit que les animaux pouvaient l'avoir, que c'était le pangolin, que c'était la chauve-souris, puis qu'ils ne pouvaient plus l'avoir, en fait, mais... pouvaient l'avoir, mais pas trop. Voilà. Tu peux plus l'avoir. Mais tu peux plus l'avoir maintenant, c'est fini. Terminé, tu ne l'auras plus, tu ne la verras plus. Et par contre, je suis paumé, hein. Je suis un peu paumé. On rigole, on parle, hein. On parle de coronavirus, etc. Mais après... Putain, il a préparé une madeleine. Putain. Fort, c'est mon jeu phare. Une madeleine de Proust, voilà. Il a fait une madeleine. Putain, j'adore ce jeu. Bon, alors la sortie, elle doit être ici quelque part. C'est pas possible autrement. Très bien. On va chercher FDEP. Ah putain, mais elle est là, espèce de connard. Elle est là, la sortie. Je suis vraiment le pire de tous les 100 races au monde. Au secours, je me fais attaquer par un crustacé. Ah, je vais fusionner avec le feu. C'est vraiment un crustacé, en plus, je dis n'importe quoi. Putain, je dis n'importe quoi, c'est vraiment un crustacé. Putain, c'était là que je devais faire ça. Ouais, saute, hop là. Hop là, et on se casse. Attends, et là, il va me dire, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas sortir. J'ai sauvegardé, parce que je pense que c'est là. Et j'ai pas envie de refaire... Ce souterrain de Seymour avec les TD pour. Hop là. Yes. Sortir un jour. C'est trop bien. J'adore ça. Le soleil est déjà où dans le ciel? Et il va encore tomber. Parce qu'il a utilisé toute son énergie. Et voilà. Ouais, j'ai été ébloui, c'est ça. Mais en fait, si je me souviens bien, s'il utilise trop son énergie, il peut se transformer en Hélion. Enfin, dans l'histoire. Hein. À force d'utiliser l'énergie, il peut devenir méchant. Ouh, le méchant. Parce que c'est les méchants. Et nous, on est les gentils. Ouais, n'hésitez pas, nous, on est les gentils. Pardon. Alors, comment on va trouver pour se paumer? Ah oui, c'est par là. Si on veut se paumer, c'est par là. Oui, voilà, qu'est-ce qui se passe? Oh, mon Discord fait du bruit. Des blou glou glou. Oui, fait glou glou. Au secours. Oui, foutez-moi la paix. Je vous déteste. Plus jamais ça. Aïe! Avec ce casque en métal, c'est boum. Alors, il faut auberge. Auberge Shaorun, Shaolin Soccer. Hop. Il a dit qu'il fallait se reposer à l'auberge Shaolin Soccer. Bravo, bah bravo, on s'est encore fait remarquer. Bah, bravo. En même temps, c'est normal, on a tué des mi-homme, mi-porc, mi-marteau, tout ce qu'on veut. Attendez, il y a des cinématiques en mettant full screen. Elle a décidé d'aller à Marligomont. C'est la ville frappée par le coronavirus. Tu vas pas y aller. Elle va aller à Marligomont. Mais les gars, faut pas être engagé comme ça. Hein. Comment tu comptes te rendre à Marligomont?
Donc tu prends un tracteur ? C'est bien un mec, hein. On lui fait une fois à manger, c'est bon, ça passe. C'est bien un mec. Hop là. Fusion des âmes. Et on est parti. Pardon. Je vais s'emporter. Faut faire quoi ? Aller voir l'avancement des réparations du pont. Ah ouais, il faut aller voir le pont. Le pont. Ok, on va aller voir comment est le pont. Il est bien pont. On va aller voir où est le pont. Et je pense qu'on peut... Enfin, que le pont, il va falloir le réparer nous-mêmes. C'est vrai, Marley est vraiment touché par le coronavirus. C'est la merde. Chaque fois que je vois le père Brunor, il est plongé dans ses prières. Père Brunor, le père Brunor. Père Brunor. C'est le mari de la mer du Nord, la mer du Nord. Attendez, le pont là-bas. Là-bas ou pas, je sais plus. Bordel de vie. Ok. Ouais, je pense que c'est là. Hein. À chaque fois, je me trompe, je cherche. Je pense que je me suis planté pour le pont. Comme d'habitude. Da, 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 da. Ah non, pas le loup, au secours. Ah non. Oh ouais, je suis obligé de le faire. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Fusion. Voilà. Et ils ont des faiblesses, eux, en fait. Non, aucune faiblesse. C'est des monstres de base. Hein. C'est des niveaux... niveau 0. 0.4. Donc on s'en fout. On va au coteau de Falkewin. Coteau de Falkewin. Ah c'est ça, le pont il est... Ah voilà, il est là quelque part. On a trouvé la petite étoile. Non, le roux carnage, fous-moi la paix. Au secours. Ah il va plus vite que moi. Et on ne peut pas jump parce que c'est pas le but du jeu. C'est pas Zelda, Breath of the Wild. Ça aussi je devrais le faire. Je devrais le faire. En plus que j'ai les DLC et tout, je devrais le faire. Kuro, qu'est-ce que t'en penses ? Breath of the Wild avec DLC. Bah, c'est un jeu qui a été streamé, re-streamé, et puis c'est pas vraiment du JRPG. Ah, attention à ce que tu dis. Hein. C'est du JRPG et c'est japonais. Hein. Eh ouais. Donc c'est du JRPG, c'est QFD. On est obligé, mec. Non, je pense que ce serait bien de le faire quand même en mode chill, chili con carne, pepperoni, sauce tomate, un doigt de harissa. Ce serait pas mal. Ok, on s'en fout de ça. On va pas parler à tout le monde, hein. Ah non. Au secours. Moi, Kuro, il m'a habitué, il m'a dit ne parle pas à tout le monde, ça sert à rien. Voilà. Les JRPG, tu fais une ligne droite, tu parles à personne. Et comme ça, tu sais jamais ce que tu dois faire. Moi, il m'a appris à jouer comme ça au JRPG. Moi, je connaissais pas. J'avais jamais joué au JRPG de ma vie. Moi, je jouais à FIFA, à Call of. Et voilà. Et un jour, il est venu, il m'a dit, tiens, teste ce jeu-là. Il m'avait donné un JRPG, il m'avait donné un Pokémon. Il m'a dit, tiens, joue à ça. On a gagné une cinématique. Putain, on dirait celui dans l'attaque des titans, le chauve avec sa petite moustache, là. Le chef d'équipe là. Je sais pas comment il s'appelle. On aurait pu mettre en full screen, hein, beaucoup de blabla. Voilà. Là, je suis sûr que vous voyez les écritures. Si vous arrivez à lire, hein, parce que vu comment je parle, voilà. Un petit peu de trop en fait. Mais c'est comme ça. Non. Non. Exactement. Maintenant, à genoux, bande
Cliquez, bande de... dirait notre ami Morsai. J'ai pas dit la suite, sinon, bon, voilà. Oh, ça va, papy, arrête de sucer mon boudin, là, c'est bon. Ouais, de rien, gommé. On va bien être gommé, ouais, je vais prendre des gommettes, t'inquiète. Ah voilà, lui il a le pouvoir de l'eau théoriquement. Lui, Aquaman, il a le pouvoir de l'eau. Ah, on va récupérer des matériaux, c'est Minecraft hein, les gars. On va aller récupérer du bois, on va aller miner un petit peu de charbon. Puis quelques torches, et c'est bon. Le gars qui mélange absolument tous les jeux au monde. Non mais mec, arrête, c'est pas Minecraft. La. つまり橋の復旧を手伝うってのか。しかもその後に同士の力を当てにされないように橋の基礎部分を岩で作り上げることはできないかな。地の天族に頼んで川底を隆起させて。確かにそれは同士にしかできないし、その後の橋の復旧作業は人に委ねられる方法だ。どう、ライラ？はい、いいと思いますわ。 Mais le séraphin de terre, ce sera pour la prochaine fois, hein, les petits gars. Après ça, on va s'arrêter. On va trouver un petit point de sauvegarde. Une petite sauvegarde. On va peut-être parler. Bon, j'espère qu'elle va pas parler pendant 107 ans. Parce qu'on va quand même s'arrêter. Pas abuser des bonnes choses. Voilà, j'ai cogné la touche, je suis désolé. Ah, pour le bien de Marley Gaumont, il faut que j'aide. Voilà. C'est beau les fusions. Hein. C'est beau Dragon Ball quand même comme jeu. Mais c'est pas Dragon Ball, mais arrête. C'est beau Dragon Ball hein, comme jeu. Hop, on va aller choper un séraphin de terre. Oui, je peux tout faire avec mes cheveux gris-bleus. Oui, et mon mini-short et mes hautes chaussures. Et mon décolleté. Ça va, il n'y a pas trop de boobs dans ce jeu. Étonnamment, il n'y a pas des tonnes de boobs. C'est pas un maximum boobs underground. Voilà. Ah oui, on se sépare déjà. Oh non. Oh non, quelle catastrophe. Il y a un problème, vieux monsieur ? Non, pas toi, le monsieur, là, dans le jeu. Il y a un problème, le vieux monsieur ? Oui, merci pour le like. Merci beaucoup. Merci. Nous aimons le like. Moi, personnellement, j'adore le like. J'adore manger du like. Parce que moi, je dis qu'il faut faire attention à notre ligne. Et je mange que du like. Voilà. Manger du bio, il faut manger du like. Non, du light, mec, tu te trompes. C'est pas du like, c'est du light. Ah, d'accord. Allez, oui, serpent maintenant. Putain, on dirait qu'il a des bonbons accrochés à son. Au manche de son sabre. À son manche. Il a mis des bonbons à son manche. On se demande qui il veut attirer. Hein. À mon avis, il veut attirer les petits-enfants comme ça. Venez les petits-enfants, j'ai des bonbons sur mon manche. Ah oui, ok, mais t'as 23 personnes sur Twitch en fait. J'avais, maintenant tu verras. Venez, il y a des bonbons.
Venez, il y a des bonbons, il y a des gagnants, il y a pas de perdants. Pardon. Ok, une petite sauvegarde et on va s'arrêter là. Voilà. Donc là maintenant, je vais, je sais que par après, je vais avoir du mal et je vais me faire casser le cul. Parce que comme je vais être tout seul comme, comme combattant, je n'aurai droit qu'à un seul séraphin. Ok. J'ai chaud. J'ai chaud. Je vais aller me foutre à poil. Petit doigt dans le fion. Tranquille. Bon, sur ce... La soirée se termine là, pour le stream. Demain, c'est congé. Demain, c'est congé. Hein. Demain, c'est dodo. Attendez, je vais mettre ma sale gueule. Comme ça, voilà, on va discuter. Hein. Des minutes. Demain, c'est congé. Pas de stream. Demain, dodo. Demain, on dort toute la journée. De minuit jusqu'à minuit. Et jeudi, on fait... jeudi, je fais quoi Xenoblade Chronicle X. Voilà, Xenoblade Chronicle X. Et vendredi, c'est notre ami Kuro qui fait son Persona 5 Royal. Royal, Royal, voilà, allez, j'arrête sur ça. Allez, merci, hein, bonne soirée, hein. Merci pour les likes, merci pour les shares, merci pour tout ce qui s'ensuit, do you believe, voilà, merci beaucoup, hein. Bonne soirée, hein. Adieu.